14h42 sur BFM TV. Bonjour à tous si vous nous rejoignez. Bienvenue, bonjour. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Va-t-on bientôt sentir les effets du confinement? La progression de l'épidémie ralentit selon le ministre de la Santé. Pas suffisamment pour stopper les hospitalisations et réanimations. Plus de 40 000 personnes sont mortes du Covid-19. Joe Biden est le 46e président des États-Unis. Déclaration unanime des médias américains après une élection sous haute tension et plus de 5 jours de dépouillement. Kamala Harris devient la première femme vice-présidente du pays. Donald Trump, lui, n'a toujours pas reconnu sa défaite. Et puis vous venez de le suivre, la météo a retardé le départ. Mais ça y est, les 33 skippers du Vendée Globe ont pris le large tour du monde en solitaire. Image en direct sur BFM TV. Bon vent leur a lancé le directeur de course. Mais tout d'abord, la situation sanitaire en France avec un bilan qui s'alourdit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Mais trop tôt pour en juger les indicateurs qui s'aggravent. Regardez, le cap des 40 000 décès liés au Covid a été franchi hier soir avec plus de 300 nouveaux décès en 24 heures. La France va-t-elle bientôt enfin voir les premiers effets du confinement? Marion Bordier. Plus de 40 000 morts et des services hospitaliers qui arrivent à saturation. Ce samedi, la France comptait 4 410 patients en réanimation contre 3 721 en début de semaine. 394 cas graves ont été admis en 24 heures. Ça va encore monter, d'accord. Il va y avoir encore des morts, ça c'est sûr, beaucoup. Les courbes qui nous avaient été annoncées avec de grandes catastrophes en Ile-de-France, rappelez-vous, il y a 15 jours, en fait, on ne voit pas arriver cet énorme séisme comme ça avait été évoqué. En effet, il y a des saturations dans quelques services, mais on a l'impression que ça suit toujours la courbe la plus inférieure. D'accord ? Donc, faut pas être inquiété. Pour limiter les saturations dans les régions les plus touchées, comme les Hauts-de-France ou la région Auvergne-Rhône-Alpes, les transferts de patients ont à nouveau été effectués vers l'Allemagne notamment. Mais contrairement à la première vague, cette fois c'est l'ensemble du territoire qui est concerné, limitant alors les possibilités d'aide médicale extérieure. On a étendu le nombre de lits de réanimation, on a même doublé le nombre de médecins la nuit pour pouvoir faire face à l'augmentation du travail. Je trouve que par rapport à la première vague, nos médecins sont vraiment dans la difficulté et travaillent énormément. Depuis près de 10 jours, la France est à nouveau confinée, un confinement dit allégé dont les effets se font encore attendre. Dans une vision optimiste, on peut peut-être voir un tout début de commencement de plateau, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Il faut continuer nos efforts. Les effets, on va les voir dans quelques jours. Après une semaine de tensions et d'opposition politique, l'Assemblée nationale a voté hier la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021. 154. Bonjour Anne Sénéquier, vous êtes médecin, chercheuse, co-directrice de l'Observatoire de la Santé à l'IRIS. Le ministre de la Santé note un ralentissement de la progression de l'épidémie. On imagine que c'est une bonne nouvelle, pourtant lui dit qu'il est encore trop tôt pour en juger. Qu'est-ce qu'il faut en souligner ? On a ce délai entre le moment où le virus atteint une personne et le moment où les signes cliniques se déclarent, qui sont, on le sait, jusqu'à 14 jours. Là, on est à seulement 8 jours de confinement. Donc ce qui se passe aujourd'hui est encore le reflet de ce qu'on avait lorsqu'on était sur les couvre-feux sur les grandes métropoles françaises. Donc on a effectivement ce couvre-feu qui peut commencer à permettre de voir une petite inflexion dans l'augmentation. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore sur l'effet du confinement. Et comme votre reportage le disait, qui est un confinement moins strict qu'au printemps. Donc il est fort probable que les effets qu'on peut en attendre seront moins évidents, moins visibles et sur une période un petit peu plus longue. Donc on privilégie et l'économie et le pédagogique avec les écoles ouvertes et le sanitaire bien sûr parce qu'il fallait faire redescendre les chiffres. Mais du coup on a besoin d'un peu plus de temps pour voir l'efficacité de la chose. En parallèle, le ministre de la Santé Olivier Véran a déclaré tout à l'heure qu'il y aurait tout de même une augmentation des hospitalisations et des admissions en réanimation ces prochains jours. Comment est-ce qu'il faut comprendre cela ? De la même manière, c'est le fameux délai d'incubation. Il nous faut 14 jours pour déclarer la maladie, 10 jours supplémentaires généralement pour déclarer une forme grave. Donc c'est quelque chose qui s'étale sur 2-3 semaines. Donc à partir du moment où on a lancé le confinement, c'était le 30 octobre dernier, on a ces 3 semaines jusque mi-novembre, 20 novembre à peu près, où on risque encore de voir effectivement une augmentation de ce genre de cas.
Merci beaucoup Anne Sénéquier pour cet éclairage. Et dans ce contexte, eh bien, sachez que le Parlement a adopté la prolongation de l'état d'urgence, échéance donc au 16 février, ce qui permet à l'exécutif de prendre des mesures de restriction telles que le confinement ou de nouveaux couvre-feux. Une décision qui ne gomme pas la défiance des oppositions de droite et de gauche. Plusieurs députés ont annoncé saisir le Conseil constitutionnel sur l'ensemble du texte. Ça y est, c'est son temps. Voilà comment titrent les unes des journaux américains concernant l'élection du 46e président des États-Unis. Vous le voyez, Joe Biden, il a tenu son premier discours hein, dans la nuit de président élu, officiellement, en tout cas proclamé tel quel par l'intégralité des médias américains, accompagné de celle qui sera sa vice-présidente, Kamala Harris. Joe Biden qui a assuré entre les lignes bien qu'il serait tout l'inverse de Donald Trump. Écoutez. Je l'ai dit dès le début. Je veux représenter, je veux que cette campagne représente tous les États-Unis. C'est ce qu'on a fait. Et maintenant, c'est au gouvernement d'être comme les États-Unis. À tous ceux qui ont voté pour Trump, je comprends que vous soyez déçus ce soir. J'ai perdu plusieurs fois moi aussi. Mais maintenant, il faut que nous nous donnions une chance. Il est temps d'abandonner les discours durs, de se voir véritablement, de s'écouter à nouveau et d'avancer ensemble. Et pour cela, il ne faut pas traiter nos adversaires comme nos ennemis. Ce ne sont pas nos ennemis, ce sont des Américains. Ce sont des Américains. Dominique Simonet, bonjour. Vous êtes écrivain, journaliste spécialiste des États-Unis. On a entendu ce discours de Joe Biden, donc élu président des États-Unis, c'est ce qu'ont déclaré en tout cas les médias américains. Quel va être le calendrier de ces prochains jours avant bien l'homologation de cette élection ? Le défi de Joe Biden, c'est effectivement d'arriver à assurer une transition traditionnel, c'est-à-dire on l'a vu dans ce discours, qui est un discours qui s'inscrit dans la grande tradition américaine où il appelle au rassemblement. On a entendu les valeurs de l'Amérique, oui, the people. Il cite Lincoln, Roosevelt, Kennedy. Donc il veut s'inscrire dans cette continuité, comme si les 4 ans de Donald Trump avaient été une parenthèse d'une certaine manière. Mais la difficulté, c'est que va faire Donald Trump. Est-ce qu'il va être capable de se hisser un peu plus à la fonction présidentielle qu'il n'a pas vraiment assumé, en tout cas pas en tant que président de tous les Américains, ce que Joe Biden ne cesse de répéter. La transition, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui se passent, de l'embryon d'administration. Et ça commence nouvelle. Par reconnaître sa défaite, ce que Donald Trump n'a pas fait. Ça commence, effectivement, vous avez raison, normalement, c'est le vaincu qui parle le premier, hein, qui concède sa défaite. On voit que Donald Trump, c'est quand même une personnalité narcissique, qui a un mal fou à reconnaître ça. Il veut toujours être le vainqueur. Il y a une deuxième chose dont on parle assez peu, ce sont les procès qui l'attendent et qui vont le menacer une fois qu'il ne sera plus président des États-Unis, notamment auprès de la juridiction de New York. Et donc, il est dans il fait du Donald Trump. Hein. On a vu ça pendant des semaines ici, partout sur les plateaux. On a commenté ça. C'est toujours, j'y vais, je fonce. Et là, il se trouve dans une situation en lançant un certain nombre de recours avec ses avocats. Certains de ses avocats lui disent, on a assez peu de chances de réussir. Mais clairement, ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va être? Parce que Donald Trump qui veut toujours foncer, d'accord, c'est son caractère, mais il a quand même face à lui une réalité, une constitution, des institutions. Est-ce qu'à un moment, quelqu'un va venir le chercher de force et le mettre dehors? Comment ça peut se passer? La constitution ne garantit pas une transition convenable. En revanche, ce qu'elle garantit, c'est que le 20 janvier, le nouveau président élu prend ses fonctions. Donc, si Donald Trump est encore là, il faudra que Joe Biden le sorte de la Maison Blanche. Bon, je pense pas qu'on en arrive à des images pareilles. Mais vous savez, par exemple, chaque jour, le président des États-Unis reçoit ce qu'on appelle le Presidential Daily Briefing. C'est PDB. C'est une note des services secrets. Tous les jours, sur l'état du monde, sur les dangers, etc. Normalement, les deux présidents dans la phase de transition, le président élu et l'ancien président, le président sortant,
se partagent. Et donc, il y a un certain nombre de dossiers, d'affaires de sécurité nationale qui vont pas se passer le 20 janvier. Donc, ça doit commencer maintenant. Moi, je pense que l'administration Trump pourrait, d'une certaine manière, être beaucoup plus coopérative que ne l'est Donald Trump, et qu'on peut voir une transition, civique, avec un petit peu plus de civilité qui se passe en dessous de Donald Trump. Alors après, il faut voir comment il va déclarer aussi. Il y a l'autre inconnu, qui est l'inconnu de ses partisans, les partisans les plus durs. Est-ce qu'ils vont commencer à se manifester? On espère qu'il n'y aura pas de violence. Jusqu'à présent, ça s'est très très bien passé. Et puis il y a l'autre, je pense que l'autre grand chantier de Joe Biden, pardon, c'est de s'adresser à l'Amérique de Donald Trump. Il faut qu'elle lui parle, à cette Amérique-là. Il faut qu'elle lui dise, on vous comprend, vous êtes, il y a 70 millions quand même, hein, on vous comprend, et donc il faut que je vais aussi travailler pour vous, je vais aussi penser à vous, et je ne suis pas le méchant socialiste que Donald Trump veut essayer de faire passer. Merci Dominique Simonet pour vos éclairages sur cette élection américaine et de l'autre côté de l'Atlantique, bien chez nous. Ça y est, c'est parti, hein, après plus d'une heure de retard à cause des conditions météo, pour la grande aventure du Tour du Monde en solitaire, 75 jours environ, pour ce Vendée Globe, la 9e édition, hein, qui est partie il y a quelques instants. 33 marins qui ont pris le départ donc depuis les Sables d'Olonne. Vous l'avez vécu en direct sur BFM TV. Armel Lecléac, bonjour, consultant BFM TV. On vous retrouve, hein, au Sables d'Olonne cette année, sans public, crise Covid oblige, mais toujours une image très forte. Oui, une image très forte, et puis on a eu des conditions parfaites pour ce départ, un grand soleil, du vent, les bateaux, ça y est, sont lancés à pleine vitesse. On va hâte de suivre les prochaines 24 heures pour voir un peu l'évolution de tous ces concurrents. Merci beaucoup Armel Lecléache pour ce point donc sur ce Vendée Globe qui vient de partir. 33 skippers, bon vent, comme l'aura dit le directeur de course, ça fait rêver forcément dans le contexte actuel. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. On revient sur ce dernier chiffre, 40 000 morts en France, 40 000 morts liées au Covid. A tout de suite. Sur le replay BFM TV, retrouvez nos grandes enquêtes exclusives. Il nous a prévenu dès le début. Je n'écouterai aucun briefing, je ne lirai aucun compte-rendu. Il classe les choses de façon binaire, oui ou non. Pour aller plus loin dans l'analyse de notre époque. Un professeur qui rouvre la fracture entre Paris et la province. Je ne suis pas devin, je suis un praticien. Retrouvez le replay BFM TV sur tous vos écrans. C'est pour ça que je me lève tous les matins. C'est au cœur de chacun de nous. Pour ça, je mets l'écoute et l'humain au centre de tout. Et je fais respecter l'ordre pour me faire respecter. Parce que je crois que c'est ça qui fait avancer la société. Oui, c'est pour ça, la justice, que je fais ce métier. Soyez au cœur de la justice. Devenez surveillant pénitentiaire. Professionnels ou particuliers, nous partageons la même envie de construire depuis près de 40 ans. Dans les bons ou les mauvais moments, nous avançons main dans la main pour bâtir l'avenir ensemble. Big Mat, dans tout projet, l'humain aussi, ça compte. S'il arrive quelque chose à la voiture d'Arnaud, professeur des écoles, alors les ennuis commencent. C'est pourquoi GMF vous prête sans surcoût un véhicule de remplacement si le vôtre est immobilisé. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Antoine, je voudrais des radiateurs qui chauffent bien sans coûter cher. Oui, Charlotte. Vous voulez des radiateurs à chaleur douce? Oui. Qui s'éteignent quand vous partez. Pilotable à distance. Et design pour ne ruiner ni votre salon ni votre porte-monnaie. Oui, je veux exactement ça. Vous voulez un radiateur connecté Atlantique? Oui. Atlantique, c'est une marque française.
VendezVotreVoiture.fr. VendezVotreVoiture.fr est la solution la plus simple pour vendre son véhicule. C'était super simple. J'ai rentré les informations sur ma voiture en ligne et reçu directement le prix de vente final. Tout a été fait sur Internet. Lorsque je me suis rendu en agence, j'ai juste eu à signer le contrat de vente et laisser ma voiture sur place. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Invictus, parfum pour homme de Paco Rabanne. Pour nous chez Opel, l'heure est venue de briser les codes. D'ouvrir la voie à la révolution électrique. L'heure est venue de vous affranchir des contraintes grâce à l'excellence de la technologie allemande. L'heure est venue de découvrir l'Opel Corsa i 100% électrique. Changez pour l'électrique à partir de 159€ par mois. Découvrez l'ensemble de la gamme Opel Corsa sur opel.fr. Nous sommes un lien sur lequel vous pourrez toujours compter pour vivre sereinement. Nous sommes une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Nous sommes Aesio. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. L'imposant mâle s'approche de la femelle pour s'accoupler. Allez, tiens le coup! Tu sais, les parents comptent sur toi pour vite changer de chaîne. Avec ça, tu vas pouvoir tenir jusqu'à la prochaine alerte. Là, là, là aussi. Encore là, 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 et puis là. Ce n'est pas une impression. Vous avez bien vu cette voiture partout. C'est normal. Renault Zoé est leader de l'électrique en France et en Europe. Renault continue d'assurer votre mobilité. Et pour bénéficier du bonus écologique 2020 de 7 000 €, rendez-vous sur Renault.fr. Eh oui, aujourd'hui, on porte tous un masque. Mais quand il est transparent, on peut lire sur les lèvres de son interlocuteur, capter ses expressions et finalement mieux se comprendre. Pour mieux communiquer avec les 6 millions de personnes sourdes ou malentendantes en France, mais aussi avec tous à l'école, au travail, dans les commerces, faisons le choix de la transparence en portant un masque transparent. Fondation pour l'audition. Marie, infirmière, ne peut pas se permettre d'être en panne. C'est pourquoi GMF dépanne votre voiture 24 heures sur 24, même en bas de chez vous. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. J'ai oublié les huîtres. Ça a été dommage. Oui, juste pour te dire, on est sur la route. Ok, ok, top. Je vous laisse, il me reste plein de trucs à finir. Bisous. C'était ma sœur. Tu verras, il a pas raccroché. Par contre, avec son mari Patrick, ils sont jamais d'accord. Non, c'est pas vrai. Bah, si. Il y aura aussi ma tante Béné. Même brushing depuis 87. Et puis tu verras, elle offre toujours le même livre. Tu sais les mille et un trucs là, genre mille et une recettes. Tiens, en parlant de recettes, il y aura mon cousin et ses huîtres. Alors je sais que t'aimes l'aventure, mais là, je te le déconseille. Chaque année, il y en a un qui tombe malade. Et enfin, mon père. Grand fan de Joe Dassin. Qu'est-ce qu'il y a? Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerai. J'ai pas ramené d'huîtres, je veux pas qu'il y en ait qui tombent malades. Ok. Non. On a tous très envie de passer Noël ensemble. En attendant, restons connectés avec les réseaux fibres 4G et bientôt 5G Bouygues Télécom. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Et la progression de l'épidémie ralentit. Dernier bilan du ministre de la Santé. Les hospitalisations et réanimations pour cause de Covid-19 vont continuer d'augmenter. La barre des 40 000 morts vient d'être franchie et les effets du confinement se font attendre. Outre-Atlantique, Joe Biden remporte l'élection présidentielle américaine. Il devient le 46e chef d'État du pays à 77 ans. Une victoire dans un scrutin très serré et qui fait de sa tête de liste Kamala Harris la première femme vice-présidente du pays. Et Donald Trump dans tout ça, très silencieux par rapport à son habitude depuis la proclamation de sa défaite. Selon nos confrères américains, sa famille tente de lui faire reconnaître sa défaite. Vaste programme. Et c'est parti pour le Vendée Globe, parti en retard à cause de conditions météo défavorables. L'aventure en solitaire autour du monde a bien démarré tout de même. Un peu plus tard que prévu, 33 marins sont en lice. Un tour du monde de 75 jours environ, parti des Sables d'Olonne en Vendée, mais sans public cette année.
On commence donc avec un point sur l'épidémie de Covid-19 et le bilan s'alourdit en France. La progression de l'épidémie, elle ralentit, c'est ce que dit le ministre de la Santé, même s'il est trop tôt pour en juger, pour en tirer des conséquences. En tout cas, le cap des 40 000 décès liés au Covid-19 a été franchi hier soir avec plus de 300 nouveaux décès en 24 heures. La France va-t-elle bientôt enfin voir les effets du confinement ? Marion Bordier. Plus de 40 000 morts et des services hospitaliers qui arrivent à saturation. Ce samedi, la France comptait 4 410 patients en réanimation contre 3 721 en début de semaine. 394 cas graves ont été admis en 24 heures. Ça va encore monter, d'accord ? Il va y avoir encore des morts, ça c'est sûr, beaucoup. Les courbes qui nous avaient été annoncées avec de grandes catastrophes en Ile-de-France, rappelez-vous, il y a 15 jours, en fait, on ne voit pas arriver cet énorme séisme comme ça avait été évoqué. En effet, il y a des saturations dans quelques services, mais on a l'impression que ça suit toujours la courbe la plus inférieure. D'accord ? Donc, faut pas être inquiété. Pour limiter les saturations dans les régions les plus touchées, comme les Hauts-de-France ou la région Auvergne-Rhône-Alpes, les transferts de patients ont à nouveau été effectués vers l'Allemagne notamment. Mais contrairement à la première vague, cette fois c'est l'ensemble du territoire qui est concerné, limitant alors les possibilités d'aide médicale extérieure. On a étendu le nombre de lits de réanimation, on a même doublé le nombre de médecins la nuit pour pouvoir faire face à l'augmentation du travail. Je trouve que par rapport à la première vague, nos médecins sont vraiment dans la difficulté et travaillent énormément. Depuis près de 10 jours, la France est à nouveau confinée, un confinement dit allégé dont les effets se font encore attendre. Les mesures que nous avons mises ont permis d'avoir une forme de ralentissement de la progression de l'épidémie. Mais encore une fois, hélas, il est d'abord trop tôt pour juger de l'effet du confinement. Nous aurons des données consolidées dans les tout prochains jours. Après une semaine de tensions et d'opposition politique, l'Assemblée nationale a voté hier la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021. Et pour en parler avec nous, Hélène Rossino, bonjour. Vous êtes médecin spécialiste de santé publique. On a vu ces chiffres alarmants. On a dépassé la barre des 40 000 morts depuis le début de l'épidémie en France. Toutefois, le ministre de la Santé, Olivier Véran, parle d'un ralentissement de la progression du virus. Est-ce qu'on peut déjà dire que ce sont les effets du couvre-feu qui a été mis en place il y a un peu plus de 2 semaines maintenant ? Alors, quoi qu'il arrive, c'est beaucoup trop tôt, mais il y a un point que le ministre n'a pas mentionné, c'est le gros bug dans les chiffres la semaine dernière, annoncé par Santé publique France. On a un problème de retour entre les tests qui ont été faits et la base de données dans laquelle ils sont rentrés. Donc les chiffres, à l'heure actuelle, sont pour nous complètement ininterprétables. Donc, quand le ministre dit « on aura des chiffres consolidé dans les tout prochains jours », je pense qu'il entend « on aura les bons chiffres qui arriveront dans les tout prochains jours ». Donc en attendant, impossible d'interpréter correctement les chiffres malheureusement. Il y a eu ce bug qui a été assumé par Santé publique France, Hélène Rossino, mais on imagine quand même que si le ministre de la Santé pointe un bilan reconnaissant un ralentissement de la progression de l'épidémie, il a les données sur lesquelles se fonder. Il y a le confinement maintenant depuis près de 2 semaines qui ne ressemble pas du tout à un confinement du mois de mars. Est-ce qu'il pourra avoir un effet justement sur cette progression de l'épidémie ou est-ce que vous estimez qu'il faut serrer la vis, commencer à fermer des collèges, des écoles pour avoir quelque chose qui ressemblerait plus au premier confinement ? Alors, c'est vrai que pour un confinement, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dehors. Je ne sais pas si vous êtes sortis, ne serait-ce que faire vos courses, mais j'ai l'impression que c'est exactement la même chose qu'avant le confinement. En tout cas, quasiment la même chose. Donc, sur cette partie-là, je veux dire que je suis assez perplexe. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a eu la fermeture des écoles pendant 2 semaines, pendant les vacances. Donc, ce qu'on va voir arriver dans les prochains jours et les 2 prochaines semaines, il y aura aussi cet effet-là mêlé. Donc, ce sera difficile de dire est-ce que c'est le confinement léger, est-ce que c'est les écoles, est-ce que c'est un mix de tout qui va jouer. J'espère qu'on commencera à avoir un effort et un effet surtout, mais j'ai peur très sincèrement qu'on doive encore à un moment, comme vous le dites, serrer la vis, même si j'aime pas du tout cette expression, je trouve ça très paternaliste. Ça n'empêche que nos hôpitaux débordent. On nous a dit cet été, il y a des cas mais il n'y a pas de malades. Après on nous a dit il y a des malades mais il n'y a pas d'hospitalisation. Puis après on est passé sur il y a des hospitalisations, mais bon, il n'y a pas de réa, il n'y a pas de mort. Maintenant qu'on a des morts et qu'on en a beaucoup, l'étape d'après, c'est quoi ? C'est de nous dire, OK, il y a des morts, mais on est encore sur la courbe basse, ne vous inquiétez pas, les patinoires qu'on a réquisitionnées un peu partout en France
pour mettre les corps qui seront en surplus ne sont pas encore utilisés. Alors ça va, c'est encore léger, supportable. Je dois dire que c'est le genre de discours qui commence à m'insupporter un tout petit peu. La réalité, elle est que notre système de santé est complètement débordé, que ça ne va pas s'améliorer, en tout cas tout de suite, et surtout qu'il y a beaucoup trop de monde dehors et qu'il y a beaucoup de gens, je trouve, qui essayent de contourner ce confinement. On a besoin de mesures qui soient claires, qui soient comprises, de plus de pédagogie, et on a besoin qu'effectivement tout le monde respecte au maximum les consignes. Merci Hélène Rossino, médecin spécialiste de santé publique, pour cet avis que vous nous avez fait partager sur ce plateau, des recommandations dont on avait parlé il y a pourtant un moment et qui étaient émises aussi par les médecins compte tenu de ce confinement qui vient d'être mis en place il y a peu. Dans ce contexte, le Parlement a finalement adopté la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février prochain. Jérémy Brossard, c'est ce qui permet d'imposer des mesures de restriction comme le confinement. Ça a été le cas, ce n'est pas à l'unanimité que ça s'est passé au Parlement. Ah non, loin de là, c'était un chemin de croix clairement pour la majorité sous cette semaine. Mise en minorité la majorité en début de semaine. Elle a même été obligée de siéger un samedi puisque les oppositions ont joué la montre pour adopter au final un texte sans aucun consensus politique, aucun consensus national. On est très loin de l'unanimité du printemps dernier. Hier soir, ce sont les oppositions de droite comme de gauche qui ont voté contre. On a les groupes de gauche qui saisissent même le Conseil constitutionnel et on a vu une droite particulièrement remontée, notamment sur la question des commerces de proximité. On a évidemment en tête toutes ces polémiques sur l'ouverture des librairies. On a aussi ces arrêtés municipaux pris par des dizaines de maires des Républicains notamment, contestant la stratégie du gouvernement en matière de crise sanitaire. Il y avait là clairement de la part de la droite la volonté de parler à un électorat qui lui est traditionnellement acquis, les commerçants, les artisans, un électorat que lui dispute notamment le Rassemblement National. On verra la semaine prochaine si les commerçants obtiennent effectivement des gestes de la part du gouvernement, mais en tout cas ça complique sérieusement la donne politique pour le gouvernement. Sa gestion de l'épidémie est rendue beaucoup plus compliquée par cette absence de consensus. Il y a notamment moins d'acceptabilité, le sentiment au fond que les mesures contraignantes sont moins bien acceptées. Et puis pour la droite, à long terme, sa stratégie est plutôt risquée entre désobéissance civile et guérilla parlementaire. Il pourrait peut-être regretter certaines positions si demain l'épidémie devait imposer des mesures encore plus strictes et contraignantes. Merci Jérémy. Des débats parce qu'il y a des questions. Comment sauver le commerce? Comment sauver l'économie? Plus généralement, soirée spéciale demain soir à 20h50, quoi qu'il en coûte, épisode 2 avec Bruno Le Maire. Posez toutes vos questions dès maintenant au ministre de l'économie par mail BFMTV et vous à BFMTV.fr ou bien sur les réseaux sociaux avec le hashtag question BFMTV. L'actualité internationale à présent, It's Joe Time, voilà l'un des titres en une des journaux américains aujourd'hui. C'est l'événement, forcément, la fin du chapitre qui s'est déroulé. Un nouveau monde aux États-Unis, voilà comment beaucoup d'Américains le voient. L'élection du 46e président des États-Unis après 4 jours tenus en haleine. Les urnes ont parlé, les défis sont nombreux et le plus dur pour Joe Biden ne fait que commencer. Jean-Bernard Cadier, on vous retrouve à Washington. Comment est-ce que le discours de victoire de Joe Biden a été reçu là-bas? Écoutez, il a été bien reçu, notamment son appel au rassemblement, lorsqu'il a dit qu'il ne fallait pas diaboliser le camp d'en face, lorsqu'il a dit des électeurs de Donald Trump, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des Américains. Et d'ailleurs, il n'y a eu aucun incident sur le territoire américain. Beaucoup avaient dit qu'il y aurait des troubles, des violences en cas de défaite de Donald Trump. Ça ne s'est pas produit. L'autre commentaire qu'on entend beaucoup, c'est que le plus dur reste à faire, évidemment, pour Joe Biden. Sur les chaînes d'infos, les cartes électorales état par état ont été remplacées par des cartes sanitaires où état par état on voit les ravages de la pandémie. Un mot sur la presse écrite. J'ai retrouvé dans mes archives le journal New York Times d'il y a 4 ans. C'était le triomphe de Trump. Il n'y avait que le nom Trump à la une. Et aujourd'hui, le même New York Times, c'est Biden a battu Trump. C'est évidemment l'événement, c'est pas seulement que Biden a gagné, mais c'est que Trump a perdu. Et d'ailleurs, s'il y avait tant de monde dans les rues ces dernières heures aux États-Unis, c'est pour célébrer la victoire de Biden, mais surtout la défaite de Trump. Merci beaucoup Jean-Bernard. Il a pas mal jauni quand même ce journal. Restez bien avec nous à Washington. On va continuer de parler des prochaines échéances. Mais d'abord, ce qu'il faut connaître avec vous, Lisa Hadef, quel est le calendrier des prochains mois?
Eh bien, le 8 décembre prochain, le monde entier connaîtra enfin les résultats définitifs de cette élection à suspense. 6 jours plus tard, le 14 décembre, ce sera le vote des grands électeurs et enfin, déclaration du grand vainqueur par le Congrès le 6 janvier et investiture le 20 janvier. Joe Biden a donc 74 jours pour préparer son arrivée au pouvoir. 74 jours durant lesquels il va devoir composer son administration ou pourvoir tous les postes au sein de la Maison Blanche. Le président va choisir les représentants de son cabinet, dont fait déjà partie sa vice-présidente Kamala Harris. Il va aussi nommer les secrétaires d'État qui correspondent aux ministres en France pour chacun des dossiers dont il va hériter et qu'il va falloir traiter avec plus ou moins d'urgence. Et justement, Lisa, Joe Biden a déjà annoncé 4 dossiers prioritaires sur lesquels il allait commencer à travailler. Oui, absolument. D'abord, l'état d'urgence. Joe Biden veut tout de suite mettre en place une stratégie nationale contre la Covid-19. Ce ne sont plus les États qui décident, mais les États-Unis dans leur globalité. Les règles sur les masques ou encore les tests vont être totalement nationalisés. Il compte aussi revenir dans l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, que Donald Trump avait quitté. Autre priorité, enrayer la crise économique qui découle en grande partie du coronavirus. Joe Biden souhaite faire voter au Congrès un vaste plan d'aide pour la relance de l'économie. C'est un challenge car au Congrès, il y a de nombreux républicains qui siègent et aucun texte n'a encore été voté dans ce sens. Le président va donc devoir les convaincre, mais pour ça, il a une mesure phare. Regardez au programme 700 milliards de dollars pour relancer le Made in USA qu'il compte financer en taxant les Américains les plus riches et les firmes les plus importantes, notamment sur les bénéfices qui sont réalisés à l'étranger pour qui la taxe va doubler. Le climat aussi a été au cœur de l'élection présidentielle. Lors de sa campagne, Joe Biden a présenté un plan de 1 700 milliards de dollars pour que le pays atteigne la neutralité carbone d'ici à 2050. Il promet également de revenir dans l'accord de Paris. La démarche est protocolaire. Il faut que les États-Unis annoncent officiellement à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, leur volonté de faire machine arrière. Et enfin, dernier dossier prioritaire pour Joe Biden, le dossier immigration, puisqu'il compte mettre fin au Muslim ban. C'est un décret anti-immigration signé par la main de Trump qui interdit aux ressortissants de certains pays à majorité musulmane d'entrer aux États-Unis. Le nouveau président des États-Unis souhaite également régulariser 11 millions d'immigrés sans papiers. Merci beaucoup Lisa Hadef pour toutes ces précisions, donc ce qui attend Joe Biden. En attendant, il est seulement président élu. Frédéric Douzet, bonjour, vous êtes professeur à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8. Comment va se passer la transition entre Donald Trump et Joe Biden? Ça, c'est une grande question, puisque pour l'instant, Donald Trump n'a toujours pas concédé la victoire et que de toute façon, depuis le début de son mandat, Donald Trump n'a pas vraiment incarné la tradition dans les institutions américaines. Donc, on ne sait pas exactement comment ça va se passer et s'il y aura des séances de travail entre les présidents. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Joe Biden a une grande expérience de la Maison-Blanche puisqu'il y a passé 8 ans, connaît très bien les dossiers, a des relations avec les sénateurs et un vaste réseau au sein du Congrès. Et donc je pense que, discussion ou pas entre les présidents, il va commencer à travailler rapidement. François Durper, autour de Joe Biden, il y a une personnalité qui intéresse particulièrement ces jours-ci, c'est Kamala Harris, c'est un peu l'atout de Joe Biden, qui est cette première femme maintenant, on peut le dire, élue vice-présidente des États-Unis. Oui, il y a deux choses qui intéressent chez Kamala Harris et pourquoi on en parle presque parfois plus que Joe Biden. La première, c'est que c'est la première femme vice-présidente. Et en plus, vous pouvez rajouter première femme noire, première femme d'origine asiatique. Ça choque pas aux États-Unis de le dire comme ça. Et aussi parce que, comme Joe Biden s'est présenté comme un homme de la transition, 77 ans, qu'il a dit qu'il n'était pas forcément candidat en 2024, eh bien, on pense que c'est peut-être une vice-présidence, certes, mais peut-être une présidente bis. Et elle a dit quelque chose d'important dans son discours, et s'est adressée aux enfants. Et elle a dit « Chers enfants, croyez en vos rêves, croyez que tout est possible », ce qu'on appelle aux États-Unis l'empowerment, hein, c'est-à-dire avoir des modèles, servir de modèle aux autres. Ce que disait la maman de Kamala Harris, elle lui disait « Tu seras la première dans plein de domaines tellement tu as de talent, mais fais attention à pas être la dernière. Fais attention à ce qu'il y ait des gens derrière toi. » Première procureure de l'État de Californie, deuxième sénatrice noire de l'histoire des États-Unis. Elle va, disent certains démocrates, être la personne qui est à la Maison Blanche sera tout le temps, Biden la verra tout le temps. Et donc, ça sera le rappel de ne pas
de privilégier la base, hein, d'avoir toujours la base, ceux qui ont voté en Géorgie, en Pennsylvanie, toutes ces minorités qui ont fait confiance à Joe Biden, mais aussi les classes les plus défavorisées. Il y a une séquence que vous vouliez nous montrer, François, je propose qu'on la regarde ensemble. That's a job, but I don't know I'm going to be president. Well, you could be president. No, you could be president, but not right now. You have to be over the age of 35. Yeah, but you could be going to be an astronaut president. Right. Bon, ses caractéristiques, hein, elle est avec sa nièce et elle lui dit, si tu veux être astronaute, tu peux être astronaute, tout est possible. Voilà, le mot empowerment dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh ben, cette petite séquence, elle l'a redit dans son discours. Hein. Elle a dit, chers enfants, c'est rare comme un homme politique qui s'adresse aux enfants dans un moment aussi important. Une autre femme également qui va devenir la première dame des États-Unis, c'est Jill Biden. Oui, alors il y avait un autre moment fort du discours, cette fois de Joe Biden. Et Joe Biden a dit, alors dans un discours, c'est logique hein, de remercier sa famille et son épouse, mais il s'est adressé aux professeurs américains. Il a dit, cher professeur, vous aurez à la Maison-Blanche quelqu'un, eh ben, un professeur, Gilles, professeur d'anglais, et qui dit souvent, Gilles Biden, éducateur, ce n'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis. Et c'est très important, évidemment, de donner ce message-là aux enseignants américains. On y est sensible, évidemment, en France, parce que c'est la fin de la semaine. Vous vous rappelez, au début de semaine, c'était l'hommage à Samuel Paty, insistant sur les éducateurs. Elle n'aura pas besoin de chercher une cause, quelque chose de philanthropique, parce qu'elle a déjà cette cause de l'éducation. Puis il y avait cette image que vous voyez, cette image très très forte. On a commenté pendant 4 ans hein, un couple qui était peut-être un couple, peut-être pas un couple, qui se tenait pas la main, qui ne s'embrassait ou s'embrassait pas. Là, c'est une image vraiment de fusion dans ce couple, d'amour, de tendresse. À chaque fois, on a toujours... Gilles, même avant son mari, on l'a vu presque parfois, certains jours, elle faisait plus campagne que lui et elle le mettait en avant en disant c'est le leader qu'il faut pour l'Amérique. Joe Biden qui devient le président élu avec le plus de suffrages des Américains. C'est que les Américains se sont beaucoup mobilisés, y compris ceux qui ont voté pour Trump, hein, qui a eu plus de voix et qu'il y a 4 ans. Ça illustre très bien cette Amérique très divisée, chacun son camp et même parfois chacun sur son trottoir. Écoutez ces réactions recueillies par nos envoyés spéciaux. Nous sommes vraiment excités. Nous ressentons le besoin de célébrer cette victoire. Je crois de tout mon cœur que c'est le mieux pour l'Amérique. Nous avons besoin du meilleur. Nous le méritons. C'est le bonheur. Regardez de l'autre côté, ce n'est pas le bonheur. C'est des élections pour les fraudeurs, pour la corruption et les malhonnêtes. Ces personnes ont volé nos élections. Nous allons vérifier et compter tous les votes à la main. Donald Trump sera réélu quand nous aurons recompté les votes. Frédéric Douzet, c'est un peu de salle des ambiances, là, on entend hein, dans ces commentaires de partisans républicains et démocrates à la suite de cette élection. Comment est-ce que Joe Biden va réussir à réunifier cette Amérique comme il l'a promis lors de son discours ? Je crois que c'est le gros défi de son mandat. Ce n'est pas tellement une surprise puisque finalement il a fait campagne sur ce thème-là. Il a même été critiqué pour faire campagne sur le thème du rassemblement et tenir une position centriste compliquée parce qu'il fallait en même temps réussir à mobiliser la base des démocrates pour obtenir qu'ils viennent voter en masse et ne pas faire peur non plus côté des centristes et des indécis. Et finalement, il a déjà réussi la première étape qui était de rassembler l'électorat. Ensuite, il va falloir qu'il réussisse à obtenir les moyens de gouverner. Et là, il y a une échéance qui est cruciale, qui est celle du deuxième tour pour les élections sénatoriales en Géorgie, qui détermineront qui aura la majorité au Sénat. Et ça, c'est très important pour pouvoir faire les nominations au sein de son cabinet. C'est-à-dire que s'il n'a pas la majorité au sein du Sénat, ça va être extrêmement difficile de faire passer la confirmation des membres qu'il souhaite au sein du cabinet. Ça va complètement orienter sa politique, puisque en fonction de cette majorité-là, soit il aura la possibilité de faire venir les personnalités qu'il souhaite, soit il sera obligé de prendre des personnalités politiquement beaucoup plus neutres et beaucoup plus centristes. Ensuite, il y a la manière dont il va pouvoir gouverner, sachant qu'il sera fort probablement face à un Congrès divisé, ou en tout cas où il va devoir faire beaucoup de négociations et de compromis, et il risque très fortement
gouvernement de se trouver dans une situation où il aura recours à des mesures exécutives en raison des difficultés à faire passer des lois par le Congrès. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez bien sûr avec nous puisqu'on continue de suivre l'évolution de cette situation sur BFM TV avec cette image en direct de la Maison Blanche, le jour qui se lève sur Washington. À l'intérieur de cette Maison Blanche, il y a un président sortant qui ne reconnaît toujours pas sa défaite. Voilà le message qu'a fait passer Donald Trump dans ses derniers tweets. On va continuer de suivre cette situation. Une situation qui est tout autre, qui est chez nous, sur la côte atlantique, au Vendée Globe. C'est là qu'on va retrouver Igor Saïri, au Sable d'Olonne, parce que ça y est, les 33 marins sont partis, Igor. Alors, il n'y avait pas la foule habituelle le long du chenal, en raison des restrictions sanitaires. Mais les 33 marins, ils ont un peu choisi leur confinement à eux. C'est parti pour environ 75 jours en solitaire. Oui, effectivement, ça y est, hein, le top départ a été donné à 14h20 précise. À l'origine, c'était prévu à 13h02 ce départ, mais il y avait beaucoup de brunes de mer au large, si bien que la sécurité des skippers était en jeu. L'organisation a donc préféré retarder le départ de cette 9e édition. On a pu apercevoir d'ailleurs, hein, c'est les 33 bateaux, les 33 IMOCA alignés à 14h20 et partir sur cette ligne de départ virtuelle pour effectivement, vous l'avez dit, un tour du monde. Alors le record, c'est Armel Lecléache qui l'a l'année dernière, hein, 74 jours. Peut-être qu'on pourrait descendre en dessous des 70 aujourd'hui, car eh bien, ces bateaux sont extraordinairement avancés technologiquement, notamment avec ce qu'on appelle des foils qui permet à ces bateaux de voler littéralement sur l'eau. On retiendra aussi l'image de la patrouille de France qui a survolé pour la première fois au Vendée Globe tous ces skippers. Et puis on reviendra aussi surtout une absence, celle de la foule. 350 000 personnes étaient là il y a 4 ans. Il y avait très peu de gens aujourd'hui pour fêter ces héros des temps modernes, mais quand même quelques-uns qui ont pu les applaudir, notamment avec des casseroles depuis leur balcon. En direct des Sables d'Olonne en Vendée, Igor Saïri, merci pour ces belles images du départ de cette course tant attendue. Restez avec nous dans un instant, nous revenons sur le Covid en France et cette épidémie dont la progression ralentit selon le ministre de la Santé. En tout cas, plus de 40 000 personnes sont mortes en France depuis le début de l'épidémie. On fait le point dans notre prochain journal, à tout de suite. 7 jours BFM. Bienvenue dans 7 jours BFM. Tous les week-ends, l'émission de grands reportages de BFM TV. Une conséquence inédite, spectaculaire de la canicule. Immersion, enquête, portrait. Ça n'a rien de nourrir une anxiété. Et nos invités acteurs de l'actualité. Ils n'ont pas réussi à se rallier à un chef. 7 jours BFM. Tous les vendredis, 20h30. Tous les samedis et dimanches, 17h et 20h. Sur BFM TV. Votre programme avec ARL Blue, la fibre recyclée pour vos couettes, oreillers et matelas qui fait du bien aux océans. Professionnels ou particuliers, nous partageons la même envie de construire depuis près de 40 ans. Dans les bons ou les mauvais moments, nous avançons main dans la main pour bâtir l'avenir ensemble. Big Mat, dans tout projet, l'humain aussi ça compte. Tu pourrais avancer un peu plus? Ouais. Non, pas par là. Là, la caméra ne te voit pas. Mon nom, Borat. Non, ça pas moi. Borat, très bien. Ah, pourquoi j'ai fait ça? C'est pour la promo de ton film. C'est très nice. High five. Non, s'il te plaît, fais pas ça. Ah, quelqu'un pas malin à mettre un papier vert par terre. C'est censé être là. J'ai-tu parti des virus? Tu peux pas voir les virus. Non, encore là. Pointe vers le haut. Ouais. Mais regarde vers la caméra en faisant ça. U vous présente des croissants, mais surtout des croissants U saveur au blé et au beurre 100% français et au prix bloqué de 2 euros la boîte de 4. Oui, un prix bloqué sur 5000 produits U, c'est notre engagement pour soutenir votre pouvoir d'achat chaque jour. U, commerçant autrement. Téléchargez gratuitement l'application RMC Sport News. Suivez les plus grandes rencontres sportives en temps réel. Revivez les temps forts de vos compétitions préférées et retrouvez tous nos débats et analyses en podcast. Mais aussi tous les résultats, les articles de la rédaction et les meilleurs moments des émissions. RMC Sport, c'est la passion qui parle.
Antoine, je voudrais chauffer ma maison et mon eau en préservant mon portefeuille et un peu la planète. Oui, Charlotte, vous voulez un appareil utilisant des énergies renouvelables? Bah oui. Pilotable avec votre smartphone qui chauffe votre maison. Et le bain de votre petit-fils? Oui, je veux exactement. Vous voulez une pompe à chaleur Atlantique? Oui. Atlantique, c'est une marque française. Il y a l'argent, les radis, la thune, le pognon. Quel que soit le nom que vous lui donnez, le plus important, c'est ce que vous en faites. Chez Mona Bank, même la carte Visa Premier est sans condition de revenu. Elle est remboursée pendant un an. Avec Laposte.fr, les jours de pluie, j'imprime mes timbres depuis chez moi. Imprimez vos timbres depuis chez vous sur Laposte.fr. L'argent. Faire de l'argent avec de l'argent, d'accord. Mais pas à n'importe quel prix. Comment être sûr que son argent ne sert pas à financer n'importe quoi, n'importe où, pour n'importe qui? Pas facile, hein? Si à la Maïf, nous proposons de l'épargne responsable et solidaire, c'est parce que nous avons décidé que l'épargne doit avoir un impact positif. Créer des emplois, aider des associations, lutter contre le réchauffement climatique, mettre de l'éthique dans l'épargne. C'est ça être assureur militant aujourd'hui. Maïf, assureur militant. And do your stuff. Did you hear what I say? I said everybody get on up and do your stuff. You better get up. De la fibre de SFR à seulement 20 euros par mois pendant un an, puis 38 euros. Appelez le 1090. SFR, enjoy. Professionnels ou particuliers, nous partageons la même envie de construire depuis près de 40 ans. Dans les bons ou les mauvais moments, nous avançons main dans la main pour bâtir l'avenir ensemble. Big Mat, dans tout projet, l'humain aussi ça compte. Depuis le temps que je vous annonce la météo avec Gautier, je fais un peu partie des meubles. Gautier, fabricant français depuis 60 ans. Deux plages, deux ambiances pour commencer. Je vous emmène à Biarritz. Là, ça s'est bien dégagé ce dimanche. On a retrouvé de très belles éclaircies avec une vingtaine de degrés dans l'après-midi pour profiter de la plage à moins d'un kilomètre de chez soi. Ça va de soi. Des plages désertées dans le même temps du côté de la Méditerranée, ici à Cavalaire-sur-Mer. Il y a encore de l'orage dans l'air. C'est en train de s'estomper tout de même dans le sud-est du pays. L'anticyclone sera de plus en plus présent dans les jours qui viennent. Ici, du Maghreb jusqu'à l'Europe centrale, 1030 hectopascales, et va nous protéger des perturbations pour la semaine qui vient. On aura simplement des brouillards omniprésents pour ce lundi matin, notamment au nord de la Loire, en descendant en direction du Val-de-Saône. Près de la Méditerranée, toujours ces entrées maritimes, mais des précipitations en nette atténuation. Enfin, à l'ouest, il y a cette perturbation qui va tenter de se faufiler de l'océan jusqu'au bord de Manche. En cours de journée, on aura surtout beaucoup de nuages. Quelques coups de tonnerre possibles dans le Val-de-Loire, mais plus on ira vers l'est, vous voyez, et plus les brouillards devraient se dissiper en cours de journée. En tout cas, les températures seront déjà très élevées le matin. On partira de 3 degrés à Strasbourg jusqu'à 14 degrés à Biarritz. Et dans l'après-midi, une ambiance toujours printanière sur tout le pays. Ça va persister hein, jusqu'en fin de semaine d'ailleurs. Vous aurez 17 à Paris ce lundi après-midi. Il fera 19 à Lyon ou du côté de Bordeaux et jusqu'à 21 degrés à Marseille. Tant qu'on ne me mettra pas au placard, je serai là pour clore la météo avec Gautier. Fabricant français depuis 60 ans. L'actualité à 14h30 sur BFM TV. Joe Biden est le 46e président des États-Unis. Déclaration unanime des médias américains après une élection sous haute tension et plus de 5 jours de dépouillement. Kamala Harris devient la première femme vice-présidente du pays. Donald Trump, lui, n'a toujours pas reconnu sa défaite. Si, il y a quelques instants, il a tweeté. On en parle dans un instant avec Jean-Bernard Cazier. Autre titre à 15h30. Va-t-on bientôt sentir les effets du confinement? La progression de l'épidémie ralentit, selon le ministre de la Santé. Pas suffisamment pour stopper les hospitalisations et les réanimations. Plus de 40 000 personnes sont mortes du Covid-19 en France. La météo a quelque peu retardé le départ, plus d'une heure, mais ça y est, les 33 skippers du Vendée Globe ont enfin pris le large, un tour du monde en solitaire. Bon vent leur a lancé le directeur de la course parmi les marins, 6 femmes et 9 nationalités différentes.
tout d'abord, revenons sur cette actualité internationale et l'élection de Joe Biden à la tête des États-Unis, 46e président américain. Ce sont ce qu'ont relaté les médias américains avant l'homologation du vote. Jean-Bernard Cadier, on vous retrouve, correspondant BFM TV à Washington. On attendait la réaction de Donald Trump. On était assez surpris par son manque de réaction ces dernières heures. Il vient de tweeter, le président sortant, et il dénonce, ce n'est pas vraiment une surprise, de la triche. Oui, alors il tweete, mais il retweete. C'est-à-dire que ce n'est pas une déclaration directe de Trump. À l'instant, il vient d'envoyer un message un peu étrange où il retweete quelqu'un qu'il appelle le meilleur sondeur britannique. Et ce sondeur britannique dit que l'élection a été volée. Ce sondeur britannique dit que dans les grandes villes américaines, il y a eu de la fraude. Et qui dit en particulier qu'il n'est pas possible que dans ces grandes villes américaines, Biden ait fait mieux qu'Obama. Donc, en résumé, Trump ne s'exprime pas directement. Il cite quelqu'un qui dit que l'élection a été volée. Et ça illustre toute l'ambiguïté de la position de Trump depuis quelques heures. On sait qu'à titre personnel, il n'a aucune envie de concéder la défaite. C'est quelqu'un qui n'a jamais concédé la défaite, qui a toujours dit que si le camp d'en face gagnait, c'est parce que le camp d'en face avait triché. Mais néanmoins, on sait que dans son entourage, et en particulier son gendre, a commencé à prendre contact avec Biden pour une éventuelle procédure de transmission du pouvoir, de passation du pouvoir. On sait que dans son entourage, on lui conseille de faire ce que font les présidents battus dans ces cas-là. Est-ce qu'il va le faire ? Ce qu'on dit ici, c'est qu'il va probablement, il ne va pas s'accrocher au pouvoir, mais qu'il ne concédera jamais sa défaite de façon nette et claire, comme l'ont fait tous ses prédécesseurs. Les dernières précisions depuis Washington avec Jean-Bernard Cadier. Merci beaucoup. On suit cette situation et on en parle en plateau avec vous, Frédéric Douzet. C'est vrai qu'elle s'annonce étonnante quand même, cette passation dans ce cadre-là, dans ce contexte-là. Quelles vont être les possibilités pour le nouveau président élu, Joe Biden ? Alors les possibilités pour gouverner vont être déjà d'utiliser, d'avoir recours aux mesures exécutives qui permettent déjà d'entrer de la signature d'un stylo, de faire passer un certain nombre de mesures. Il faut savoir que déjà Obama, en raison du blocage au sein du Congrès, avait fait passer un certain nombre de choses via ces mesures exécutives qui permettent finalement de contourner les blocages au Congrès, mais qui ne sont pas aussi solides qu'une loi qui passe par le Congrès. Ce qui veut dire que ce qu'un président a fait via une mesure exécutive peut être défait par le président suivant via une mesure exécutive. Et de fait, Trump, dès qu'il est arrivé au pouvoir, n'a eu de cesse que de défaire ce qu'avait fait Obama sur un certain nombre de sujets. Donc là, on sait déjà que Joe Biden a prévu, en arrivant, de lever le ban sur l'immigration en provenance d'un certain nombre de pays musulmans, de rejoindre l'accord de Paris, etc. Donc il y a un certain nombre de mesures qu'il va pouvoir prendre assez rapidement. Ensuite, il va devoir travailler avec le Congrès pour réussir à faire passer un certain nombre de mesures selon un processus législatif, mais qui nécessairement seront moins progressistes que ce qu'espère une partie de la base militante démocrate, tout simplement parce qu'il n'aura pas le soutien politique pour réussir à faire passer des choses qui soient trop à gauche du point de vue des républicains. Donc là, ça risque d'être très compliqué sur un certain nombre de dossiers, comme sur la réforme de la loi de santé, puisque lui souhaite étendre la protection d'Obamacare, il souhaite faire une réforme globale de l'immigration. Donc sur des sujets comme ça, ça va être beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est pour la politique intérieure. Ce qu'on, nous, on se pose comme question également en tant que Français, c'est quel type de collaboration, de diplomatie va pouvoir exister avec Joe Biden, vous l'avez évoqué, il va y avoir la reprise des accords de Paris qui avaient été suspendus sous Trump. Il y a également une réaction de l'Iran qui a déclaré par son président que l'élection donnée aux États-Unis est une occasion de se rattraper de leurs erreurs passées, en faisant évidemment référence au fait qu'ils se sont retrouvés deux fois au bord de la guerre très récemment, une grande tension dans le Golfe avec les États-Unis. Quelle est la politique étrangère que va vouloir mener Joe Biden ?
Je pense qu'on va aller vers un retour, vers un soutien au multilatéralisme, vers des relations beaucoup plus apaisées avec les alliés aussi. Et il a d'ailleurs signifié qu'il allait appeler individuellement un certain nombre de leaders mondiaux pour renouer un dialogue et apaiser les relations. Je pense que sur un certain nombre de sujets, il n'y aura pas de changements fondamentaux, et notamment dans la sorte de repli qu'opèrent les États-Unis dans le monde par rapport à l'intervention dans un certain nombre de guerres dans lesquelles ils se sont embourbés. Ça, je pense que le retrait des affaires internationales dans une certaine mesure va probablement se poursuivre, même si l'engagement des États-Unis reste extrêmement important. Je pense que la relation avec la Chine va rester une relation où les États-Unis vont chercher à contenir la montée en puissance de la Chine, mais on a eu une véritable rupture sous Trump, par rapport à la politique d'Obama, qui cherchait à contenir la Chine tout en ayant un certain engagement vis-à-vis de la Chine. Là, il faudra voir comment Joe Biden organise les relations. Et si on voit ce qui se passe avec la Russie, on voit que même si Trump a affiché tout au long de son mandat une certaine sympathie pour les dirigeants autoritaires, la politique de l'administration, elle, n'a pas fondamentalement changé. Mais je pense qu'il y a un phénomène qui va apporter un changement profond, c'est qu'il va repeupler le département d'État, puisqu'on sait que Trump avait fait extrêmement peu de nominations et avait énormément réduit finalement le personnel du département d'État. Et le fait d'avoir à nouveau des diplomates en charge va sans doute changer beaucoup de choses dans les relations internationales. Encore pas mal d'inconnus et de rebondissements à venir, c'est ce qui rend ce feuilleton assez passionnant. Merci beaucoup Frédéric Douzet pour cet éclairage. Un mot également sur la situation de l'épidémie de Covid-19 en France. Le ministre de la Santé évoque un très léger frémissement, mais attention, ce n'est pas une tendance. Voilà pourquoi son cabinet explique qu'il ne faut pas tirer de conclusions définitive. Écoutez. Les mesures que nous avons mises ont permis d'avoir une forme de ralentissement de la progression de l'épidémie. Mais encore une fois, hélas, il est d'abord trop tôt pour juger de l'effet du confinement. Nous aurons des données consolidées dans les tout prochains jours. Quoi qu'il en soit, nous savons et nous l'avons dit, le président de la République l'a dit la semaine dernière, il y aura de toute façon une augmentation des hospitalisations et des réanimations dans les prochains jours, puisque c'est le reflet de la situation épidémique d'avant le confinement. Dans la lutte contre le virus, le dépistage reste au cœur de la stratégie. Après les tests PCR, les tests salivaires, les tests antigéniques désormais sont disponibles pour des dépistages en pharmacie. Plus rapides, ils sont aussi très demandés. Thomas Hédou avec Alizé Boissin. Je ne me sens pas bien et donc du coup, je voudrais tester pour savoir si c'est le Covid. Dans cette pharmacie, c'est la quatrième personne qui souhaite être dépistée en à peine quelques heures. Depuis bientôt une semaine, il est possible d'effectuer un test antigénique sur place, à condition d'avoir entre 18 et 65 ans et ne pas être une personne à risque. Ça y est. Donc ça ne dure que quelques secondes en fait. Voilà, c'est ça. Résultat garanti en moins de 20 minutes. On va avoir un trait de contrôle, et si c'est positif, il y aura un deuxième trait. Et si c'est pas positif, il n'y aura pas de deuxième trait. Dans cette pharmacie, 50 tests sont actuellement disponibles, mais une nouvelle commande est déjà en cours. Pour faire face à ces fortes demandes, dans cette usine, une cinquantaine de salariés travaillent sans relâche au conditionnement de ces tests antigéniques. Et les personnes ici qui vont prendre chacun des composants, un par un, pour mettre dans les sachets, pour après que ça soit mis en boîte. Nous en produisons 150 000 par jour, avec un objectif de 2 millions d'ici la fin du mois. Une production en masse qui va ensuite être livrée en quelques jours à peine et répartie dans plusieurs établissements. Dans les universités, les EHPAD, les aéroports et toutes les structures qui requièrent un dépistage rapide et massif. Au total, 5 millions de tests antigéniques devraient être fournis en France par cette entreprise dans les 6 prochains mois. En tout cas, la France a dépassé hier soir le cap des 40 000 morts liés au Covid. Et dans ce contexte, eh bien, sachez que le projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire a été adopté par le Parlement, ça y est, avec échéance au 16 février, ce qui permet à l'exécutif de prendre des mesures de restriction supplémentaires telles que le confinement ou encore de nombreux couvre-feux, même si plusieurs députés de l'opposition ont annoncé saisir le Conseil constitutionnel sur l'ensemble du texte.
Et puis, vous l'avez suivi sur notre antenne en direct. Ça y est, les 33 skippers de cette 9e édition du Vendée Globe ont pris le départ en début d'après-midi après plus d'une heure de retard à cause de conditions météo un peu défavorables. Mais voilà, la course est partie. Ce tour du monde en solitaire, sans équipage, donc sans assistance, a pris le départ. Bon vent a lancé le directeur de la course. Une course donc internationale, hein, des équipes de tous les pays, hein, dont 6 femmes qui sont présentes dans cette course. Nous suivrons cette course évidemment sur les antennes de BFM TV. Et ça fait du bien ces images en plein confinement. Allez, restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, un président élu s'appelle Joe Biden et un président sortant qui s'accroche à la Maison Blanche, c'est Donald Trump. Il vient de tweeter, il s'est réveillé, le jour se lève sur Washington. Il le redit, cette élection est volée selon lui. Quelle suite? On en parle dans un instant. Dimanche. Recherche, diagnostic, traitement, financement, la médecine est en mouvement. Et les nouveautés en matière de santé dans Prenez soin de vous. Dimanche sur BFM TV. Parce qu'en matière de bien-être et de santé, il est important d'être bien conseillé. Retrouvez votre chronique avec France Littré, expert de vos nuits. Professionnels ou particuliers, nous partageons la même envie de construire depuis près de 40 ans. Dans les bons ou les mauvais moments, nous avançons main dans la main pour bâtir l'avenir ensemble. Big Mat, dans tout projet, l'humain aussi, ça compte. Ça, c'est sûr. Être à son compte n'est pas de tout repos. Faire des pauses, ça arrive. Stress, pépin, paperasse. Et pourtant, la solution est là. SumUp, le lecteur de cartes bancaires qui va vous simplifier la vie. Rendez-vous sur sumup.fr. Avec l'offre Box Plus TV de SFR, bénéficiez d'une télé 4K à prix préférentiel, comme la télé Samsung 4K UHD dernière génération. Appelez le 1090. SFR, enjoy. Quand Adrien, policier, rentre d'astreinte, il sait qu'il peut compter sur une assistance plomberie 24h sur 24, incluse sans surcoût dans son contrat habitation. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Avec laposte.fr, les jours de pluie, j'imprime mes timbres depuis chez moi. Imprimez vos timbres depuis chez vous sur laposte.fr. L'indépendance, c'est une nature. Les gens indépendants croient en leurs rêves et ne renoncent jamais. Toute leur vie, ils vont au bout de leurs engagements pour contribuer à une vie meilleure. Et comme ils nous ressemblent, on les retrouve souvent dans nos magasins. Chez La Vie Claire, depuis 70 ans, notre indépendance nous permet de dessiner une autre bio. À bientôt chez La Vie Claire. J'ai choisi la prévoyance obsèques PFG pour la tranquillité de mes proches, afin qu'ils n'aient à se soucier de rien. Et pour moi, c'est simple. Pas de questionnaire de santé, mon capital est garanti et revalorisé chaque année. C'est rassurant de choisir PFG pour sa prévoyance. En ce moment, jusqu'à 600 euros offerts sur les contrats prévoyance. Devis sur pfg.fr ou dans nos 700 agences. Nuit sous la couette ou nuit aux toilettes? No problemol. Prostamol contribue au maintien de la fonction urinaire normale. À prendre pendant 3 mois. Prostamol, no problemol. Quitte à passer autant de temps sur votre téléphone, autant que ça rapporte. Pariez sur toutes les courses depuis PMU.fr. Jusqu'à 100 euros offerts pour vos premiers paris. PMU. Que les meilleurs gagnent. Événement sur RMC Sport 1. Demain, Mohamed Bouafsi à la rencontre du plus élégant des footballeurs. Formé à Barcelone, étincelant à Paris, joueur inoubliable et entraîneur en devenir, Thiago Motta comme jamais. Demain à 21h sur RMC Sport 1. Abonnez-vous sur rmcsport.tv. Arthur, c'est pas Versailles ici. Arthur, c'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici! C'est pas Versailles ici! Total Direct Energy. Une énergie jusqu'à 10% moins chère et des services pour réduire votre consommation. Vous en faites déjà beaucoup. À nous d'en faire plus.
inhibited the hip, hip, hopper. You don't stop the rocket to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. 1 million, parfum pour homme de Paco Rabanne. Professionnels ou particuliers, nous partageons la même envie de construire depuis près de 40 ans. Dans les bons ou les mauvais moments, nous avançons main dans la main pour bâtir l'avenir ensemble. Big Mat, dans tout projet, l'humain aussi, ça compte. 16h45 sur BFM TV. Joe Biden élu 46e président des États-Unis selon les médias américains. Un résultat dans une élection particulièrement serrée et un climat de grande tension entre partisans démocrates et républicains. Et aujourd'hui, eh bien, l'Amérique est partagée entre ceux qui célèbrent la victoire de l'ancien président, de vice-président de Barack Obama, et l'Amérique qui pleure la défaite de leur champion, Donald Trump. Stéphanie Zanetti. C'est grâce à eux, grâce à ces électeurs de Philadelphie, que le suspense a fini par prendre fin. En remportant l'État de Pennsylvanie, Joe Biden devient le 46e président des États-Unis. Un soulagement pour tous ses soutiens qui, depuis 4 jours, scrutaient fébrilement les moindres résultats. Je suis tellement excité, j'étais tellement nerveux ces derniers jours. Je n'ai pas pu dormir mardi soir. Je me suis réveillé à 4h30 du matin pour regarder les résultats dans le Wisconsin. Mais là, ça y est, je suis rassuré. Je suis très heureux. Savoir que Donald Trump, c'est fini, qu'il ne peut plus faire n'importe quoi à la Maison-Blanche, ça, c'est génial. Un bonheur affiché avec des rassemblements improvisés dans toutes les rues de la ville. Une sorte de nouveau départ pour ces Américains. J'ai l'impression que mes enfants et mes petits-enfants ont un avenir dans ce pays à présent. Ces 4 dernières années ont été une période affreuse. Cette victoire, ça signifie que ce pays a de l'espoir, que nous ne sommes pas perdus. Nous pouvons maintenant arriver à surmonter toutes ces divisions. Un programme qui résumerait presque la ligne directrice que s'est fixée Joe Biden. Réussir à rassembler une Amérique déchirée. D'un côté, les pro-Biden, de l'autre, les électeurs de Donald Trump. Ils ne désarment pas. À 1200 km de là, à Atlanta, la fracture semble bien visible. Ces partisans de l'ex-président refusent d'accepter la défaite de leur candidat. En tout cas, pas tout de suite. Je pense que c'est un peu prématuré. Il doit y avoir des recomptages. Il y a beaucoup de litiges. Les médias peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Vous croyez que parce qu'il y a 4 ans, ils ont dit que Donald Trump avait gagné aujourd'hui, quoi qu'ils disent, je vais les croire? Un climat de défiance. Comme ces derniers jours, ces manifestants continuent de dénoncer des irrégularités dans les votes, des bourrages d'urnes et un scrutin qui, selon eux, ne reflète pas la réalité. Si d'aventure il se trouvait que Biden était président, en tant qu'Américaine, je prierais pour lui, je soutiendrais sa fonction. Mais ceci dit, je ne crois pas qu'il soit président légitime. Il faut recompter, et c'est ce qui se passe actuellement en Géorgie. Deux clans bien distincts, qui continuent donc de s'opposer. Quelques pas de la Maison Blanche, beaucoup semblent avoir bien conscience que le travail de réconciliation s'annonce long et compliqué. On a l'impression qu'un poids a été enlevé de nos épaules, mais je sais qu'il y a encore beaucoup à faire pour notre pays. Il y a beaucoup de choses qui se sont brisées au Sénat, à la Cour suprême, mais au moins maintenant, on va pouvoir se remettre au travail et réparer le pays. Je suis ouvert à toute discussion. Que les gens soient de gauche ou de droite, les progressifs peuvent avoir des idées et on peut en discuter. Je crois que ce pays a été fondé sur la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Je suis prêt à parler avec les supporters de Trump et de Biden pour faire valoir la grandeur de notre pays. Des discussions qui vont devoir commencer dès demain. Ces dernières heures, Joe Biden l'a déjà martelé. À présent, il est le président de tous les Américains. Tout de suite, prenez soin de vous. Parce qu'en matière de bien-être et de santé, il est important d'être bien conseillé. Retrouvez votre chronique avec Franck Vitry, expert de vos nuits.
À la une ce dimanche, une question cruciale. Est-on immunisé après une première infection par le SARS-CoV-2? Question essentielle en ce qu'elle détermine notamment la possibilité d'être réinfecté ou non par ce virus. Et puis surtout par rapport au vaccin. Ce vaccin, on va bien l'avoir un jour. Mais est-ce que l'immunité qu'il va provoquer est durable? Eh bien, on voulait partager avec vous une étude qui est à la fois intéressante, mais surtout optimiste. Elle vient d'être publiée dans la revue Science. Une équipe de chercheurs a voulu savoir combien de temps on gardait des anticorps efficaces. Et pour cela, ils ont suivi plus de 30 000 patients avec à chaque fois des formes de Covid plutôt légères ou modérées, donc pas des patients qui étaient en réanimation. Ils ont donc dosé les anticorps dits IgG, c'est-à-dire les anticorps qui vont aller neutraliser la protéine S, vous savez, ces petites piques qu'on voit sur le virus et qui permettent justement à ce virus d'entrer dans la cellule. Eh bien, les dosages sont tout à fait rassurants puisque 90% d'anticorps sont présents à moins d'un mois après le début des symptômes. Mais après, ça fait quoi? Les anticorps et puis les dosages qu'on était assez élevé et dans un deuxième temps, ils ont analysé plus de 120 échantillons à des échelles de temps différentes. D'abord à 52, à 82 jours, puis à 148 jours après le début des symptômes et ils ont constaté qu'il y avait encore des anticorps, alors en quantité un peu moins importante, mais surtout des anticorps neutralisants à 148 jours, donc ça veut dire protecteur au bout de 5 mois. Et bien sûr, l'étude va se continuer pour savoir justement quelle est la dynamique de ces anticorps, par exemple, sur une année. Alors c'est rassurant parce qu'on retrouve un peu la même réaction anticorps que l'on avait avec les autres coronavirus, avec le MERS et le SARS-CoV-1. Et puis autre élément intéressant, c'est que certaines études avaient montré que, en particulier une étude anglaise, avait montré qu'en fait l'immunité était très courte. Donc là, on est à plus de 3-4 mois déjà. Et puis donc, ça limite un petit peu aussi, vous savez, ce problème de réinfection qui, encore une fois, est extrêmement rare. Et puis ça redonne aussi confiance en la possibilité d'un vaccin efficace dans les mois à venir. Une bonne nouvelle en ce moment, ça fait plutôt du bien. Eh bien, on est preneurs. On se retrouve dimanche prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous. En matière de bien-être et de santé, il est important d'être bien conseillé. Retrouvez votre chronique avec France Littré, expert de vos nuits. La météo, c'est important aussi. Depuis le temps que je vous annonce la météo avec Gautier, je fais un peu partie des meubles. Gautier, fabricant français depuis 60 ans. C'est assez clair pour la semaine prochaine. Calme et douceur. Il faut dire que les orages ont été nombreux, très nombreux ces dernières heures. Plus de 3000 éclairs enregistrés la nuit dernière. La Camargue notamment a été bien arrosée. Alors peu à peu, ces orages sont en train de s'estomper dans le sud-est du pays. Les pluies sont en train de s'éloigner. On va retrouver un temps plus sec pour ce lundi. L'anticyclone va bien regonfler. Il s'étire déjà du Maghreb jusqu'à l'Europe centrale. 1030 hectopascales. De quoi repousser les perturbations. Il devrait nous accompagner d'ailleurs quasiment toute la semaine et même jusqu'au week-end prochain. Voyez, pour ce lundi, l'humidité résiduelle aura tendance à remonter en matinée avec ses brouillards omniprésents au nord de la Loire, dans le Val-de-Saône, en descendant vers la vallée de la Garonne également, et toujours ses entrées maritimes autour du golfe du Lion. On aura quelques ondées seulement, quelques averses également près de l'océan. C'est une nouvelle perturbation très atténuée qui va buter face aux hautes pressions. Elle va quand même progresser de l'océan jusqu'au bord de Manche dans l'après-midi. Peut-être quelques coups de tonnerre en direction du Val-de-Loire, mais plus on ira vers l'est, voyez, et plus ce sera ensoleillé, les brouillards devraient bien se dissiper. Les températures vont rester élevées, 3 degrés notamment à Strasbourg, ce sera le minimum, mais jusqu'à 14 degrés à Biarritz, pas mal pour cette période de l'année. Et dans l'après-midi, eh bien, ce sera quasi printanier à nouveau, avec de 16 à 19 degrés en général. On ira jusqu'à 20 degrés dans le sud-ouest et 21 degrés notamment dans les Bouches-du-Rhône ou encore du côté d'Ajaccio. Alors pour la suite, toujours de la douceur hein, pour une bonne partie de la semaine. Mardi, plus de nuages, c'est cette fameuse perturbation qui va s'enfoncer vers l'intérieur du pays, en tout cas au sud. Les éclaircies reprendront l'avantage pour cette journée de mercredi. Tant qu'on ne me mettra pas au placard, je serai là pour clore la météo avec Gautier. Fabricant français depuis 60 ans. Ce week-end, retrouvez tous les matchs, tous les sports, toutes les images, tous les résultats. L'actu sport, ce week-end, sur BFM TV. Parce qu'en matière de bien-être et de santé, il est important d'être bien conseillé. Retrouvez votre chronique avec France Littré, expert de vos nuits. Professionnels ou particuliers, nous partageons la même envie de construire depuis près de 40 ans. Dans les bons ou les mauvais moments, nous avançons main dans la main pour bâtir l'avenir
ensemble. Big Mat, dans tout projet, l'humain aussi ça compte. Tu pourrais avancer un peu plus ? Ouais. Non, non, pas par là. Là, la caméra ne te voit pas. Mon nom, Borat. Non, ça pas moi. Borat, très bien. Ah, pourquoi j'ai fait ça ? C'est pour la promo de ton film. C'est très nice. High five. Non, non, s'il te plaît, non, fais pas non, ça. Non, non. Ah, quelqu'un pas malin à mettre papier vert par terre. C'est censé être là. J'étais parti des virus. Tu peux pas voir les virus. Non, encore là. Pointe vers le haut. Ouais. Mais regarde vers la caméra en faisant ça. L'argent. Faire de l'argent avec de l'argent, d'accord. Mais pas à n'importe quel prix. Comment être sûr que son argent ne sert pas à financer n'importe quoi, n'importe où, pour n'importe qui? Pas facile, hein? Si à la Maïf, nous proposons de l'épargne responsable et solidaire, c'est parce que nous avons décidé que l'épargne doit avoir un impact positif. Créer des emplois, aider des associations, lutter contre le réchauffement climatique, mettre de l'éthique dans l'épargne. C'est ça être assureur militant aujourd'hui. Maïf, assureur militant. Nous vivons dans un monde d'interconnexion où les prises de décision s'enchaînent et les échanges se multiplient. Avec Linked, faites mieux que suivre le mouvement. Prenez de l'avance sur lui avec des déploiements simplifiés et des solutions personnalisées. Linked, l'opérateur B2B de solutions télécom. Découvrez la BMW Série 1, qui ne fait rien comme les autres. Rien comme les autres et qui n'a vraiment pas froid aux yeux. Dis, ma Série 1, tu nous réchauffes un peu l'ambiance. BMW Série 1, une et unique. En ce moment, découvrez la BMW Série 1 édition Sport. Dès 295€ par mois, entretien inclus. Max dit, soirée chez Chloé. Chloé dit, on va chez Max, en fait. Max dit, on n'irait pas chez toi, plutôt. Emoji clin d'œil. Restez connectés avec la Toyota Aygo. Just go. Profitez de la série limitée Toyota Aygo X-Pop avec connectivité smartphone à 69€ par mois. Antoine, vos radiateurs connectés Atlantique, ils sont fantastiques. Et il n'y a pas que Charlotte, il y a aussi les chaudières Atlantique, la climatisation Atlantique, les pompes à chaleur Atlantique, la ventilation Atlantique, les chauffe-eau Atlantique. Avec Laposte.fr, les jours de pluie, j'imprime mes timbres depuis chez moi. Imprimez vos timbres depuis chez vous sur Laposte.fr. Nous sommes un lien sur lequel vous pourrez toujours compter pour vivre sereinement. Nous sommes une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Nous sommes Aesio. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Là, là, là aussi, encore là, 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 et puis là. Ce n'est pas une impression. Vous avez bien vu cette voiture partout. C'est normal. Renault Zoé est leader de l'électrique en France et en Europe. Renault continue d'assurer votre mobilité. Et pour bénéficier du bonus écologique 2020 de 7 000 €, rendez-vous sur Renault.fr. Quasiment 16h sur BFM TV, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, un très léger frémissement, mais un ralentissement quand même de la progression de l'épidémie. C'est ce qu'annonce le ministre de la Santé. Est-ce enfin une conséquence des mesures de confinement ? La barre des 40 000 décès liés au Covid en France vient d'être franchie. Outre-Atlantique, Joe Biden remporte l'élection américaine et devient le 46e chef d'État du pays à 77 ans. Une victoire dans un scrutin très serré qui a fait de sa tête de liste Kamala Harris la première femme vice-présidente du pays. Des nouvelles de Donald Trump. Selon nos confrères américains, sa famille tente de lui faire reconnaître sa défaite. Pas facile. Le président a tweeté, voilà la dernière information, il parle toujours de triche, même si ce n'est plus aussi explicite que jusqu'à présent, comme une évolution dans son discours. Et puis c'est parti pour le Vendée Globe. Départ en retard à cause de conditions météo un peu défavorables. L'aventure en solitaire autour du monde, en tout cas, a démarré pour 33 marins, dont 6 femmes. Un tour du monde de plus de 75 jours, partie des Sables de l'Aune en Vendée, mais sans public cette année à cause du Covid.
Ce chiffre donc, pour commencer, 40 000 décès liés au Covid. Le cap a été franchi hier soir et cette question, où sont les effets des couvre-feux et même du confinement? Le ministre de la Santé parle d'une forme de ralentissement de la progression de l'épidémie aujourd'hui. Marion Bordier. Plus de 40 000 morts et des services hospitaliers qui arrivent à saturation. Ce samedi, la France comptait 4 410 patients en réanimation contre 3 721 en début de semaine. 394 cas graves ont été admis en 24 heures. Ça va encore monter, d'accord. Il va y avoir encore des morts, ça c'est sûr, beaucoup. Les courbes qui nous avaient été annoncées avec de grandes catastrophes en Ile-de-France, rappelez-vous, il y a 15 jours, en fait, on ne voit pas arriver cet énorme séisme comme ça avait été évoqué. En effet, il y a des saturations dans quelques services, mais on a l'impression que ça suit toujours la courbe la plus inférieure. D'accord ? Donc, faut pas être inquiété. Pour limiter les saturations dans les régions les plus touchées, comme les Hauts-de-France ou la région Auvergne-Rhône-Alpes, les transferts de patients ont à nouveau été effectués vers l'Allemagne notamment. Mais contrairement à la première vague, cette fois c'est l'ensemble du territoire qui est concerné, limitant alors les possibilités d'aide médicale extérieure. On a étendu le nombre de lits de réanimation, on a même doublé le nombre de médecins la nuit pour pouvoir faire face à l'augmentation du travail. Je trouve que par rapport à la première vague, nos médecins sont vraiment dans la difficulté et travaillent énormément. Depuis près de 10 jours, la France est à nouveau confinée, un confinement dit allégé dont les effets se font encore attendre. Les mesures que nous avons mises ont permis d'avoir une forme de ralentissement de la progression de l'épidémie. Mais encore une fois, hélas, il est d'abord trop tôt pour juger de l'effet du confinement. Nous aurons des données consolidées dans les tout prochains jours. Après une semaine de tensions et d'opposition politique, l'Assemblée nationale a voté hier la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021. On parle de cette situation sanitaire avec vous, Imad Kanso, infectiologue à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, en Ile-de-France. On a vu ces chiffres, désormais plus de 40 000 décès liés au Covid-19 en France. Malgré tout, Olivier Véran parle d'un ralentissement de la progression de l'épidémie. Est-ce que tout d'abord couvre-feu, puis le confinement ont ou auront des effets à très court terme? Bonjour. Oui, avant tout, effectivement, on s'attendait à cette évolution de l'épidémie. Il y avait déjà des projections, d'ailleurs plusieurs projections faites par l'Institut Pasteur avec trois profils différents avaient été annoncées. Donc bon, on s'attendait au pire. Effectivement, on l'a vécu, on le vit actuellement. Les hôpitaux sont saturés déjà, plus ou moins. Ça dépend des régions. Alors, en effet, pour répondre à votre question, ça dépend des territoires, donc il y a des territoires un petit peu plus différents que d'autres, mais nous, médecins et les hôpitaux, sont déjà effectivement avec des lits d'hospitalisation, notamment en soins intensifs, presque à saturation, avec évidemment la fermeture de services qui s'occupent d'autres et qui prennent en charge d'autres patients, d'autres pathologies. Donc, alors, est-ce que les mesures commencent à faire de l'effet? C'est possible, mais on avait dit que ça, on pouvait commencer à voir les effets positifs, espérons-le, la semaine prochaine, en début de semaine prochaine. Et il semblerait qu'il y a moins de frémissements, moins de cas et que ça commence à se stabiliser un tout petit peu, notamment, je le sais, uniquement pour nos hôpitaux de l'Île-de-France. Mais je disais au début que c'est un peu variable encore selon les régions. Imad Kanso, expliquez-nous très concrètement pour qu'on comprenne. Le ministre de la Santé parle d'un frémissement. Qu'on se comprenne bien, la courbe des contaminations continue d'augmenter, mais peut-être qu'elle est moins verticale qu'elle l'était il y a quelques jours, mais il y a encore de nouveaux patients qui se font contaminer et donc qui vont dans les hôpitaux, qui vont même en service de réanimation. En revanche, est-ce que ça présage peut-être l'arrivée à ce pic ou à ce plateau qu'on peut espérer pour ensuite avoir une courbe décroissante? Il se pourrait fort bien que ça soit le cas. En tout cas, on espère. Il y a eu justement un recalcul des nouvelles estimations de l'Institut Pasteur et visiblement, ça semblerait être le cas qui se profile. Donc, je pense qu'il faut qu'on tienne bon, qu'on reste optimiste et qu'on se maintienne comme ça dans la possibilité de continuer avec les mesures actuelles. Je pense qu'on commencera à voir réellement des effets rapidement.
Merci pour votre regard, donc plutôt optimiste à vous entendre, hein, Imad Kanso. Je rappelle, vous êtes infectiologue à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart en région parisienne. Et dans ce contexte, le Parlement a finalement adopté la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février prochain. C'est ce qui permet d'imposer des mesures de restriction comme le confinement, par exemple. Mais la décision n'a pas fait l'unanimité au Parlement. Ce n'était pas gagné d'avance. Les explications de Jérémy Brossard. Là, c'était un chemin de croix, clairement, pour la majorité sous cette semaine. Mise en minorité, la majorité en début de semaine. Elle a même été obligée de siéger un samedi, puisque les oppositions ont joué la montre pour adopter, au final, un texte sans aucun consensus politique, aucun consensus national. On est très loin de l'unanimité du printemps dernier. Hier soir, ce sont les oppositions de droite comme de gauche qui ont voté contre. On a les groupes de gauche qui saisissent même le Conseil constitutionnel. Et on a vu une droite particulièrement remontée, notamment sur la question des commerces de proximité. On a évidemment tête où toutes ces polémiques sur l'ouverture des librairies. On a aussi ces arrêtés municipaux pris par des dizaines de maires des Républicains, notamment contestant la stratégie du gouvernement en matière de crise sanitaire. Il y avait là clairement de la part de la droite la volonté de parler à un électorat qui lui est traditionnellement acquis, les commerçants, les artisans, un électorat que lui dispute notamment le Rassemblement national. On verra la semaine prochaine si les commerçants obtiennent effectivement des gestes de la part du gouvernement, mais en tout cas ça complique sérieusement la donne politique pour le gouvernement. Sa gestion de l'épidémie est rendue beaucoup plus compliquée par cette absence de consensus. Il y a notamment moins d'acceptabilité, le sentiment au fond que les mesures contraignantes sont moins bien acceptées. Et puis pour la droite, à long terme, sa stratégie est plutôt risquée entre désobéissance civile et guérilla parlementaire. Il pourrait peut-être regretter certaines positions si demain l'épidémie devait imposer des mesures encore plus strictes et contraignantes. Des débats parce qu'il y a ces questions. Comment sauver le commerce? Comment sauver l'économie plus globalement? Soirée spéciale demain à 20h50 sur BFM TV avec Aurélie Cast et Thierry Arnaud. Quoi qu'il en coûte, épisode 2 avec Bruno Le Maire. Vous pouvez poser toutes vos questions au ministre de l'économie justement par mail bfmtv@bfmtv.fr ou bien sur les réseaux sociaux avec le hashtag question BFM TV. L'actualité se passe également aux États-Unis, puisque vous le savez, It's Joe Time, c'est ce qu'a titré notamment l'un des journaux américains aujourd'hui, l'événement qui marque la fin du chapitre de cette élection très serrée, un nouveau monde aux États-Unis. Voilà comment beaucoup d'Américains vivent ces résultats. L'élection du 46e président, donc, Joe Biden, après 4 jours en haleine, les urnes ont finalement parlé, les défis sont nombreux. Et le plus dur pour Joe Biden ne fait que commencer. Clémence Dibou, on vous retrouve depuis Philadelphie, en Pennsylvanie, l'un des États, des swing states, qui a donc changé de couleur politique en faveur de Joe Biden. C'est une Amérique bel et bien divisée que vous constatez auprès de vous? Oui, parce que d'un côté, eh bien, après une soirée qui s'est éternisée, Philadelphie, bastion démocrate, se réveille pleine d'espoir dans l'avenir. Ils ont l'impression, les habitants de Philadelphie, de retrouver la liberté et d'avoir redonné la liberté une deuxième fois aux États-Unis. Pourquoi? Eh bien parce que beaucoup nous ont rappelé hier et encore ce matin que c'est ici, à Philadelphie, qu'a été signée la déclaration d'indépendance en 1776. Et ils ont l'impression, eh bien, que c'est ces 20 grands électeurs de Pennsylvanie qui ont propulsé Joe Biden vers la victoire et donc vers la fin du Trumpisme. C'est ce qu'on nous a beaucoup expliqué ici. Donc, grand sentiment de liberté, sentiment de fierté aussi, mais eh bien, la Pennsylvanie compte également beaucoup de comtés plus ruraux et donc très républicains. Et ce matin, eux, ces républicains, ils se réveillent abattus, sans vision claire, pas de nouveau leader républicain qui pourrait remplacer Donald Trump à l'heure actuelle. Donald Trump qui se mure dans le silence, qui ne leur donne pas d'indications claires. Et puis, cette anecdote, eh bien, relatée par la presse locale, ça se passe dans le comté de Pittsburgh. Il y a peut-être un seul républicain qui se réjouit ce matin en Pennsylvanie de l'élection de Joe Biden. C'est un vendeur d'armes dans son magasin d'armes. Il explique, eh bien, que lui, il pense que ses ventes vont s'envoler dans les jours à venir parce que, eh bien, les électeurs républicains, nombreux autour de lui, ont très peur de l'arrivée de Joe Biden et notamment des manifestations. Ils ont l'impression, ces républicains, que une partie de ces républicains, que les manifestations anti-police qu'on a pu voir ces mois passés aux États-Unis, eh bien, vont se multiplier et donc ils pourraient effectivement vouloir s'armer encore plus, ces républicains. L'Amérique qui se réveille, toujours divisée. Merci beaucoup Clémence, restez avec nous. D'abord, je voudrais qu'on prenne des nouvelles de Donald Trump, parce qu'on a eu le discours du nouveau président élu, et le président sortant, il se fait assez silencieux, contrairement à son habitude sur les réseaux sociaux notamment, même s'il a tweeté, oui, François Durper. Quel est son message? Oui, alors son message sur Twitter,
il se fait silencieux. Alors, il n'a pas pris la parole, mais il prend la parole via Twitter et sa capacité de retweet, hein, 66 000 retweets en moyenne pour les tweets de Donald Trump, ça veut dire que c'est la manière dont il s'adresse à tous ses électeurs. Nous pensons que ces gens sont des voleurs. Ces gens sont les démocrates, mais c'est aussi un peu ce qu'il appelle le deep state, c'est-à-dire l'état profond. On ne sait pas exactement qui c'est. En tout cas, ceux qui cherchent à lui voler son élection, c'était une élection volée. Le meilleur sondeur de Grande-Bretagne a écrit ce matin qu'il s'agissait clairement d'une élection volée. Et alors ensuite, il le détaille un petit peu en disant il n'est pas possible que Obama ait des taux de participation moins importants que Joe Biden, et en particulier dans les comtés qui sont des comtés noirs. L'idée, c'est de dire mais c'est impossible que Biden fasse mieux chez les noirs que Barack Obama en 2008. C'est déjà une accusation qui avait été portée par Liz Harrington, la porte-parole du comité national républicain. Et après vérification, parce qu'il ne s'agit pas de dire que c'est faux parce que Donald Trump le dit, ni même que c'est vrai parce que Donald Trump le dit, eh bien en fait c'est une confusion entre le taux de participation des électeurs inscrits de Biden cette année avec le taux de participation des électeurs éligibles d'Obama il y a 8 ans. Donc en fait on est en train de mélanger des oranges et des mobilettes. C'est absolument différent. Donc sur ce point-là, bon, ça va mettre le doute à beaucoup des électeurs de Donald Trump, mais une fois de plus, il ne s'agit pas de faits. Enfin, il s'agit de faits, mais en fait, ils sont faux. Comme vous le rappelez, il y a quelques heures, Donald Trump avait dit en Géorgie, il y a 8000 votes qui manquent, qui ont disparu comme par magie de militaires qui auraient probablement voté pour moi, Donald Trump. Il se trouve qu'en fait, ces votes ne seront pas envolés. Soit ils étaient en cours d'acheminement, puisque ce sont les militaires à l'étranger, soit, eh bien, tout simplement, les militaires n'ont pas renvoyé leur bulletin. Parce que c'est pas parce qu'on leur envoie un bulletin de vote que les militaires vont renvoyer les bulletins. Donc là encore, d'ailleurs, il n'en parle plus, Donald Trump, ce ne sont pas des bulletins qui ont disparu dans la nature ou qui ont été volés par les démocrates. Une tentative donc de décrédibilisation, c'est pas facile à dire, de ce scrutin américain. Christopher Mesno, vous êtes avocat au barreau de New York, Washington et Paris. Vous connaissez bien la situation. On voit donc Donald Trump qui, de nouveau, s'agite un petit peu hein, pour décrédibiliser ce vote. 4 millions de voix d'écart hein, tout de même avec Joe Biden. Est-ce que les recours dont il fait la menace assez régulièrement, Donald Trump, ont des possibilités d'aboutir s'il va jusqu'au bout? Bon, il y a plusieurs types de recours qu'ils ont essayé de lancer. Certains sur la base d'une demande de recompter les votes dans les États très serrés tels que le Wisconsin. Ça, c'est des demandes assez classiques et qui devraient aboutir. Il y a d'autres attaques qu'ils ont fait dans certains États, et notamment le Michigan et le Pennsylvanie. Ils ont dit que des cadres du Parti républicain qui devaient pouvoir contrôler le décomptage n'ont pas pu s'approcher suffisamment proche pour contrôler le décomptage. Là, on commence à se glisser sur un terrain beaucoup plus subjectif et moins objectif. L'élection du président américain n'est pas un suffrage direct, c'est le système des grands électeurs que je pense maintenant tous les Français ont bien compris. Néanmoins, il y a la différence de 2000 où les résultats étaient beaucoup plus serrés, 500 000, mais c'était plus serré. Là, comme vous avez tous les trois dit, on est un delta pour l'instant à un écart de plus de 4 millions de votes. Donc même si c'est pas comme ça qu'on choisit le président des États-Unis, même M. Trump et son entourage ne peuvent pas ne pas prêter attention à ce détail. Pour moi, et j'ai bien lu l'analyse excellente comme d'habitude de François, quand le président de mon pays dit qu'il y a un sondeur quelque part en Angleterre qui dit que c'est impossible, c'est pathétique. On arrive maintenant à un côté pathétique de cette démarche. Donald Trump qui jouait au golf, hein, c'est l'image que vous voyez au moment de la proclamation de Joe Biden comme président élu par la quasi-intégralité des médias américains. Donald Trump qui s'accroche à la Maison-Blanche, alors on pourrait dire ça ne concerne qu'un homme, sauf qu'il a avec lui tout un tas de fans, si je puis dire. Clémence Dibou, justement, on vous retrouve à Philadelphie, en Pennsylvanie. Comment s'organisent les pro-Trump? Que peuvent-ils faire pour contester cette élection?
Bien, premier point, c'est vrai effectivement que tous les pro-Trump avec qui nous avons pu parler aujourd'hui et hier avec Audrey Allos, eh bien, nous expliquent, nous ressortent mot pour mot le discours de Donald Trump sur la fraude électorale. Ça veut dire que ça imprime bien auprès des pro-Trump et effectivement, eh bien, certains s'organisent déjà pour voir comment faire des recours pour contester cette fraude. Alors, à chaque fois qu'on leur demande, hein, ils n'ont pas de preuves concrètes à nous apporter, mais ils expliquent qu'ils savent de sources sûres qu'il y a eu des fraudes et que donc, il faut contester effectivement de plusieurs manières possibles ces fraudes électorales. En Pennsylvanie, finalement, l'écart est supérieur à 0,5%, donc il ne pourra pas y avoir de recomptage des voix. En tout cas, il ne pourra pas être demandé un recomptage des voix. Mais d'ores et déjà, eh bien, certains d'entre eux, en tout cas, les plus convaincus, essayent de s'organiser pour voir, pour faire des manifestations, notamment monter des manifestations, notamment la semaine prochaine, pas forcément que en Pennsylvanie. Il parle aussi également de Washington. Merci Clémence Dibou en direct de la Pennsylvanie, de Philadelphie avec Audrey Allos. En plateau ici, Christopher Mesnault, vous le disiez, Donald Trump, finalement, il apparaît un petit peu ridicule avec ses gesticulations en tous sens. Mais pour autant, est-ce que l'establishment, est-ce que les médias se rendent compte, eux aussi, surtout ceux qui étaient plutôt pro-Trump, du ridicule de la situation ? Bah écoutez, il y a déjà le Wall Street Journal qui a pris ses distances en partie vis-à-vis de M. Trump depuis longtemps. Il y a une partie de Fox News maintenant qui fait pareillement. Et plus, encore plus important, il y a une bonne partie de l'establishment républicain, du parti républicain, qui dit rien ou peu. Pour moi, ils ont compris que cette fois-ci, c'est perdu. Il faudra que le parti républicain se refasse. Et en 2024, il y aura une autre occasion maintenant de prendre cette coalition des gens, des 70 millions d'Américains qui ont voté quand même pour M. Trump et essayer de mener une autre bataille sur une autre base. Chez les républicains, Rick Santorum, Chris Christie, Pat Toomey, ce ne sont pas des républicains anti-Trump, ce sont les plus proches de Trump qui disent c'est compliqué, il n'y a pas de preuves et qui ne soutiennent pas Donald Trump. Et pour vous dire un peu un secret sur ma vie, je passe ma vie sur Fox News et non pas sur CNN, mais plutôt sur Fox News pour voir ce que pensent les conservateurs américains. Et depuis 2-3 heures sur Fox News, je vous invite à aller voir sur Fox News, eh bien on parle de la victoire de Joe Biden, on la commente, on discute, mais on ne reprend pas à la lettre les accusations de Donald Trump. Là, en tout cas, c'est clair pour ce grand média conservateur américain. Alors, on a une image à vous montrer. Elle date du jour, cette fois. C'est Donald Trump qui est retourné jouer dans son golf, donc parti de la Maison Blanche. Voilà l'image que vous voyez. C'était donc son convoi. Le président américain qui ne s'est pas exprimé publiquement, uniquement ses tweets et ses retweets sur les réseaux sociaux, on vient d'en parler. De l'autre côté, il y a le président élu et sa vice-présidente élue, c'est Joe Biden. Ils ont posté déjà un message sur leurs réseaux sociaux dit de transition pour inscrire quelles seront leurs trois premières priorités lorsqu'ils seront aux manettes à la Maison Blanche. Je vous les résume. La santé, bien sûr, la sécurité, mais aussi les collectivités. Voilà ce qu'a tweeté Joe Biden, donc le président élu des États-Unis, avec sa vice-présidente Kamala Harris. Christopher Mesnou, c'est vrai que Kamala Harris, elle a un rôle aussi important déjà, parce que dans l'ordre protocolaire, elle est vice-présidente, numéro 2, et surtout qu'elle détonne. On l'a vu notamment cette nuit lors de leur premier discours en tant que ticket élu. Elle a pris la parole avant, elle est peut-être plus vive que lui, elle a aussi 20 ans de moins que lui. Elle risque de prendre bien la lumière durant ces 4 prochaines années. Monsieur Trump et Monsieur Biden viennent de la même génération et de la même Amérique. La différence principale, c'est Monsieur Trump a choisi Mike Pence, qui appartient à cette même Amérique du passé, tandis que Monsieur Biden a choisi l'Amérique du futur. Kamala Harris, fille de migrants, moitié indienne, moitié d'origine du Jamaïque, c'est l'Amérique de demain. C'est ce mélange qui est la spécialité des États-Unis, qui est pratiqué nulle part ailleurs comme aux États-Unis. Donc Biden, il a un pied dans le passé, un pied dans l'avenir, mais c'est justement ce type de profil qui pourrait rassembler les deux morceaux de l'Amérique que cette élection a encore révélé. Merci Christopher Mesnault, avocat au barreau de New York, Washington et Paris. Merci à François Durfer également, consultant États-Unis, BFM TV, bien loin des États-Unis, de ces élections. Rebondissement, en tout cas, voilà, c'est une saga que l'on suit de près sur BFM TV. C'est enfin parti, ça y est, pour cette grande aventure maritime, un tour du monde en solitaire
de quelques 75 jours. Départ du Vendée Globe pour 33 marins, dont 6 femmes. Vous avez vécu le départ hein, en direct de BFM TV. Nous allons partir en direction des Sables d'Olonne en Vendée. C'est de là que sont partis ces marins en début d'après-midi pour retrouver Igor Saïri avec un départ un peu particulier. Pas particulier cette année, crise Covid oblige. Sans public donc pour ce départ du Vendée Globe. Ça y est, hein, le top départ a été donné à 14h20 précise. À l'origine, c'était prévu à 13h02 ce départ, mais il y avait beaucoup de brunes de mer au large, si bien que la sécurité des skippers était en jeu. L'organisation a donc préféré retarder le départ de cette 9e édition. On a pu apercevoir d'ailleurs hein, c'est les 33 bateaux, les 33 IMOCA alignés à 14h20 et partir sur cette ligne de départ virtuelle pour effectivement, vous l'avez dit, un tour du monde. Alors le record, c'est Armel Lecléache qui l'a l'année dernière, hein, 74 jours. Peut-être qu'on pourrait descendre en dessous des 70 aujourd'hui, car eh bien, ces bateaux sont extraordinairement eh bien, avancés technologiquement, notamment avec ce qu'on appelle des foils qui permet à ces bateaux eh bien, de voler littéralement sur l'eau. On retiendra aussi l'image de la patrouille de France qui a survolé pour la première fois au Vendée Globe eh bien, tous ces skippers. Et puis on retiendra aussi surtout eh bien, une absence, celle de la foule. 350 000 personnes étaient là il y a 4 ans. Il y avait très peu de gens aujourd'hui pour fêter ces héros des temps modernes, mais quand même quelques-uns qui ont pu les applaudir, notamment avec des casseroles depuis leur balcon. Dans un instant sur BFM TV, un frémissement, mais un ralentissement quand même de la progression de l'épidémie. C'est la dernière annonce du ministre de la Santé. Peut-être enfin les conséquences des restrictions sanitaires, les confinements, les couvre-feux. En tout cas, la France a passé la barre des 40 000 décès liés au Covid. BFM Business, première sur l'info économique et financière. Bonjour à tous, bienvenue dans votre matinale de l'économie. L'ouverture s'annonce effectivement difficile. Chaque jour, retrouvez les invités qui font l'actualité. Ils ont trahi leur entreprise. Il faut qu'il y ait un problème pour qu'il y ait une entreprise, il faut qu'il y ait quelque chose à résoudre. L'expertise de la rédaction et des spécialistes de leur secteur. Les réponses aux questions que vous vous posez. La France repart, s'informe et s'exprime sur BFM Business. Professionnels ou particuliers, nous partageons la même envie de construire depuis près de 40 ans. Dans les bons ou les mauvais moments, nous avançons main dans la main pour bâtir l'avenir ensemble. Big Mat, dans tout projet, l'humain aussi ça compte. Des jumeaux. Oui, David est bientôt papa. Alors c'est peut-être le bon moment pour trouver le bon emploi près de chez lui. Non parce que des jumeaux ou quoi ? Le bon coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. C'est une grande prouesse technique avec cette grande arche sans pile intermédiaire. La nouvelle gare d'Orsay et même la toute première ligne de métro. En termes de construction, c'est un tour de force. Paris, l'incroyable héritage de l'Expo 1900, mercredi à 21h05 sur RMC Découverte, Canal 24. Il est où le biberon ? Ah. Oh. Hey. Cool. Plus besoin d'ouvrir. Toquez, voyez l'intérieur et retenez la fraîcheur. LG InstaView Door Indoor. Les sens de l'abeille sont adaptés. On peut toujours compter sur la nature. Ou sur L72. Un médicament homéopathique aux 10 substances actives utilisé dans les troubles mineurs du sommeil. Difficultés d'endormissement, sommeil agité, réveil nocturne ou précoce. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Laboratoire Lenning. Antoine, votre pompe à chaleur Atlantique, elle est fantastique. Et il n'y a pas qu'elle, Charlotte. Il y a aussi les radiateurs Atlantique, la ventilation Atlantique, les chauffe-eau Atlantique, les chaudières Atlantique, la climatisation Atlantique. Voici Edwin, expert chez Katawiki, spécialisé dans les appareils photos. Il a sélectionné 7 appareils photos. Il a suffi d'un flash pour immortaliser la révolution cubaine. Découvrez des objets d'exception sélectionnés par nos experts sur katawiki.fr. Biotherm présente Red Algae Uplift. Un soin de jour à effet liftant. L'algue rouge associée aux fractions de peptides de collagène compense la perte de fermeté. La peau paraît plus ferme, lissée, comme liftée. Nouveau Red Algae Uplift. Biotherm.
à retrouver chez Nocibé. Même à distance, réalisons ensemble votre projet sur Ixina.fr. Oui à vos rêves. Pour faire des économies, on ne veut pas de belles promesses. On veut de l'action. Cet hiver, grâce à Sowi, vous savez, le fournisseur de gaz et d'élec, pilotez votre chauffage pour faire jusqu'à 25% d'économies. Et ce n'est pas tout. Le prix du kilowattheure est fixé pour 3 ans. Découvrez les offres d'énergie Sowi et sa station connectée sur Sowi.fr. Sowi est une filiale d'EDF. Et ouais. Choix depuis chez soi. En novembre, réservez votre Lexus hybride auto-rechargeable sur Lexus.fr. L'indépendance, c'est une nature. Les gens indépendants croient en leurs rêves et ne renoncent jamais. Toute leur vie, ils vont au bout de leurs engagements pour contribuer à une vie meilleure. Et comme ils nous ressemblent, on les retrouve souvent dans nos magasins. Chez La Vie Claire, depuis 70 ans, notre indépendance nous permet de dessiner une autre bio. À bientôt chez La Vie Claire. Depuis le temps que je vous annonce la météo avec Gautier, je fais un peu partie des meubles. Gautier, fabricant français depuis 60 ans. Deux plages, deux ambiances. Pour commencer, je vous emmène à Biarritz. Là, ça s'est bien dégagé ce dimanche. On a retrouvé de très belles éclaircies avec une vingtaine de degrés dans l'après-midi pour profiter de la plage à moins d'un kilomètre de chez soi. Ça va de soi. Des plages désertées dans le même temps du côté de la Méditerranée, ici à Cavalaire-sur-Mer. Il y a encore de l'orage dans l'air. C'est en train de s'estomper tout de même dans le sud-est du pays. L'anticyclone sera de plus en plus présent dans les jours qui viennent. Ici, du Maghreb jusqu'à l'Europe centrale, 1030 hectopascales. Et va nous protéger des perturbations pour la semaine qui vient. On aura simplement des brouillards omniprésents pour ce lundi matin, notamment au nord de la Loire, en descendant en direction du Val-de-Saône. Près de la Méditerranée, toujours ces entrées maritimes, mais des précipitations en nette atténuation. Enfin, à l'ouest, il y a cette perturbation qui va tenter de se faufiler de l'océan jusqu'au bord de Manche. En cours de journée, on aura surtout beaucoup de nuages. Quelques coups de tonnerre possibles dans le Val-de-Loire, mais plus on ira vers l'est, voyez, et plus les brouillards devraient se dissiper en cours de journée. En tout cas, les températures seront déjà très élevées le matin. On partira de 3 degrés à Strasbourg jusqu'à 14 degrés à Biarritz et dans l'après-midi. 17 à Paris ce lundi après-midi. Il fera 19 à Lyon ou du côté de Bordeaux et jusqu'à 21 degrés à Marseille. Tant qu'on ne me mettra pas au placard, je serai là pour clore la météo avec Gautier. Fabricant français depuis 60 ans. Bientôt 16h30 sur BFM TV à la une de l'actualité. Cette image, Joe Biden au travail, mais Donald Trump, lui, au golf. Une image qui détonne après une élection sous haute tension, remportée par le candidat démocrate selon les médias, et près de 5 jours de dépouillement. Le président sortant qui continue de dénoncer une fraude électorale. Dans le même temps, Kamala Harris devient, elle, la première femme vice-présidente du pays. Va-t-on bientôt enfin sentir les effets du confinement ? La progression de l'épidémie ralentit selon le ministre de la Santé. Pas suffisamment pour stopper les hospitalisations et réanimations. Plus de 40 000 personnes sont décédées du Covid-19 en France. La météo a retardé le départ, mais ça y est, les 33 skippers du Vendée Globe ont bel et bien pris le large aujourd'hui. En début d'après-midi, un tour du monde en solitaire et sans public cette année. Bon vent, leur a lancé le directeur de course. Parmi les marins, il y a 6 femmes et 9 nationalités différentes. Mais tout d'abord, l'actualité aux États-Unis où Joe Biden a donc été désigné comme le 46e président du pays après une élection de plusieurs jours de dépouillement qui ne sont d'ailleurs toujours pas terminées. Clémence Dibou, on vous retrouve depuis Philadelphie en Pennsylvanie, l'un de ces États de la Rust Belt qui a désigné Joe Biden comme son candidat alors que c'était un État républicain lors du précédent scrutin. Est-ce que là où vous vous situez, c'est bel et bien du coup une Amérique à double vitesse que l'on retrouve est divisée?
Oui, il y a eu deux ambiances en Pennsylvanie, clairement, et notamment hier soir. D'abord, Philadelphie, bastion démocrate qui a fait la fête jusque très tard. Des habitants pleins d'espoir pour ces quatre prochaines années. Le sentiment d'avoir retrouvé la liberté, d'avoir apporté une deuxième fois la liberté au pays. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les habitants de Philadelphie. Pourquoi ils nous disent une deuxième fois apporter la liberté aux États-Unis ? Eh bien, parce que c'est ici qu'a été signée la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776. Et ils ont l'impression, eh bien, qu'une nouvelle fois, leur ville apporte la liberté aux États-Unis. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que quand les 20 grands électeurs de Pennsylvanie ont été attribués à Joe Biden, eh bien, que l'élection a été pliée et que Joe Biden a été annoncé vainqueur de ces élections. Mais, effectivement, deux ambiances aux États-Unis. La Pennsylvanie compte aussi beaucoup de comtés plus ruraux et donc plus républicains. Et eux, eh bien, ces républicains, ils se sont réveillés abattus ce matin, sans vision claire de l'avenir, sans nouvelles de leur leader, parce que Donald Trump n'a fait que quelques tweets, hein, il n'a pas donné d'indication, par exemple. Et cette anecdote relayée dans la presse locale de ce républicain, peut-être le seul de républicain de Pennsylvanie qui se réjouit de cette défaite de Donald Trump. Lui, il est vendeur d'armes, il a un magasin d'armes et il explique à la presse locale, eh bien, qu'il pense que ses ventes vont s'envoler dans les prochains jours avec la crainte des républicains de voir Joe Biden, le démocrate, arriver au pouvoir. Clémence Dibou avec Audrey Allos à Philadelphie pour BFM TV. Christophe Formesnou, Donald Trump, lui, ne s'est toujours pas exprimé publiquement. Il y a ses tweets. L'image que l'on a, qui est un peu la même qu'hier, pendant la proclamation de Joe Biden comme président élu, c'est le président sortant des États-Unis qui retourne au golf. Ce matin encore, hein, on va voir cette image de son convoi qui est parti donc de la Maison-Blanche, direction son golf à lui, à Donald Trump. On parlait de ses partisans avec Clémence Dibou, qui est l'une de nos envoyées spéciales. Que vont devenir tous ces partisans ? Ben écoutez, il y a 70 millions d'Américains qui, quand même, ont voté pour M. Trump, malgré tout ce qu'il a pu faire ces quatre dernières années. Est-ce qu'ils peuvent continuer de le soutenir sous une forme ? C'est-à-dire que, est-ce que Donald Trump peut continuer d'exister publiquement pour eux ? Oui, ben justement, si l'on a envie, il peut essayer de rallier une bonne partie de ces 70 millions d'Américains derrière lui, ou bien dans un parti nouveau, ou bien en disant, ben moi je suis le parti républicain de nos jours, et donc de l'extérieur, je vais continuer à mener campagne contre la gauche, contre Biden, contre Harris, etc., etc. C'est beaucoup trop tôt pour être certain quels seraient ses projets. Il n'a toujours pas dit qu'il a perdu l'élection. Et quelle serait l'efficacité d'une telle campagne après la campagne électorale ? Pourquoi est-ce qu'il continuerait, il persisterait à dénigrer la politique de Joe Biden et de Kamala Harris ? Quel serait l'intérêt ? Parce que historiquement, après deux ans, quand il y a les élections pour les chambres de représentants, le parti au pouvoir présidentiel, normalement, perd beaucoup de sièges. C'est-à-dire en 2022, si le système marche comme il a toujours marché, il peut y avoir une majorité républicaine à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants. Il serait dans ce cas-là à la recherche d'un nouveau leader et Trump s'y montre un peu de patience, ce qui n'est quand même pas sa première qualité. Il peut se dire, donne-moi deux ans, je vais rebâtir le parti républicain derrière moi. Et pourquoi pas donne-moi quatre ans, est-ce qu'il pourrait se représenter pour le prochain scrutin ? Oui, il aura presque 80 ans, il peut le faire, on va tomber dans l'absurdité. Je pense que le pays est plutôt tourné vers la jeunesse, avec justement le choix de Kamala Harris comme vice-président et peut-être demain de président. Je pense que la génération de Trump et de Biden, à un moment donné, ils vont être obligés de quitter la scène. Merci beaucoup, Christopher Mesnou. Alors, celle que l'on a vue également aux côtés du premier discours du président élu Joe Biden, c'est celle qui sera sa vice-présidente Kamala Harris. Elle s'est fait remarquer, elle est plus jeune que lui, assez vive. Elle sait se servir des réseaux sociaux également. Son portrait signé Thomas Edou avec Camilla Giudice. On a réussi, Joe. Tu vas être le prochain président des États-Unis. Après des félicitations par téléphone, c'est ensemble que Kamala Harris et Joe Biden célèbrent leur victoire. L'Américaine de 56 ans écrit l'histoire en devenant la première femme élue vice-présidente des États-Unis. Bien que je sois la première femme élue à ce poste, je ne serai pas la dernière. Et pour son premier discours, elle choisit l'unité et l'apaisement. Alors que notre démocratie était sous enjeu, et le monde entier qui nous regardait. And the world watching. Vous avez inauguré un jour nouveau pour le pays.
for America. Un ton posé et assuré, comme une signature que Kamala Harris aura gardée tout au long de sa carrière. Née d'un père jamaïcain et d'une mère indienne, elle occupe le poste de procureur de San Francisco entre 2004 et 2011, pour ensuite devenir procureur général de Californie. C'est là encore une première. En 2017, elle est élue sénatrice et se fait remarquer en interrogeant certains proches de Donald Trump, alors accusés de collusion avec la Russie. Je veux que vous soyez honnête. Vous me pressez, vous me rendez nerveux. En janvier 2019, celle que l'on surnomme l'Obama au féminin déclare sa candidature à la présidentielle de 2020. Mais face au manque de financement, Kamala Harris est contrainte d'abandonner la course à l'investiture démocrate avant d'être désignée par Joe Biden en août dernier pour être sa vice-présidente en cas de victoire. Mes chers Américains, je vous présente pour la première fois votre future vice-présidente, Kamala Harris. Kamala Harris. Et trois mois plus tard, le duo Biden-Harris recueille un nombre de voix historiques dans une élection présidentielle américaine. On fait le point à présent sur l'épidémie de Covid-19 en France, avec cette barre de plus de 40 000 morts désormais dans le pays depuis le début de l'épidémie, 40 169 décès. Et pourtant, chez nos confrères de France Inter, Olivier Véran déclare aujourd'hui constater un ralentissement de la progression de cette épidémie. On l'écoute. Les mesures que nous avons mises ont permis d'avoir une forme de ralentissement de la progression de l'épidémie. Mais encore une fois, hélas, il est d'abord trop tôt pour juger de l'effet du confinement. Nous aurons des données consolidées dans les tout prochains jours. Quoi qu'il en soit, nous savons et nous l'avons dit, le président de la République l'a dit la semaine dernière, il y aura de toute façon une augmentation des hospitalisations et des réanimations dans les prochains jours, puisque c'est le reflet de la situation épidémique d'avant le confinement. Et toujours une priorité pour tenter d'endiguer cette épidémie, c'est le dépistage. On a connu les tests PCR avec les queues et les files d'attente qui se créaient devant les laboratoires. Il fallait parfois attendre plus de 48 heures pour avoir les résultats. Autant dire que ça n'avait pas d'intérêt. Un nouveau type de test est désormais disponible. Ce sont les tests antigéniques, plus rapides, mais ils sont aussi très demandés. Thomas Edou avec Élisée Boisin. Je me sens pas bien et donc du coup je voudrais être testée pour savoir si c'est le Covid. Dans cette pharmacie, c'est la quatrième personne qui souhaite être dépistée en à peine quelques heures. Depuis bientôt une semaine, il est possible d'effectuer un test antigénique sur place, à condition d'avoir entre 18 et 65 ans et ne pas être une personne à risque. Ça dure que quelques secondes en fait. Voilà, c'est ça. Résultat garanti en moins de 20 minutes. On va avoir un trait de contrôle. Et si c'est positif, il y aura un deuxième trait. Et si c'est pas positif, il n'y aura pas de deuxième trait. Dans cette pharmacie, 50 tests sont actuellement disponibles, mais une nouvelle commande est déjà en cours. Pour faire face à ces fortes demandes, dans cette usine, une cinquantaine de salariés travaillent sans relâche au conditionnement de ces tests antigéniques. Et les personnes ici qui vont prendre chacun des composants, un par un, pour mettre dans les sachets, pour après que ça soit mis en boîte. Nous en produisons 150 000 par jour, avec un objectif de 2 millions d'ici la fin du mois. Une production en masse qui va ensuite être livrée en quelques jours à peine et répartie dans plusieurs établissements. Dans les universités, les EHPAD, les aéroports et toutes les structures qui requièrent un dépistage rapide et massif. Au total, 5 millions de tests antigéniques devraient être fournis en France par cette entreprise dans les 6 prochains mois. Et c'est dans ce contexte que le projet de loi qui prolonge l'état d'urgence sanitaire a été adopté hier par le Parlement avec une échéance au 16 février. Décision justifiée par la situation sanitaire actuelle, toujours très préoccupante selon le gouvernement. Ce qui permet donc à l'exécutif de prendre des nouvelles mesures de restriction, notamment des confinements ou encore de nouveaux couvre-feux. Il y a débat parce qu'il y a aussi des questions. Comment sauver l'économie? Comment sauver les commerces? Eh bien, c'est le thème de cette nouvelle soirée spéciale demain soir à 20h50, présentée par Aurélie Cassette et Thierry Arnaud. Quoi qu'il en coûte, épisode 2, avec comme invité le ministre de l'économie. Vous pourrez justement lui poser toutes vos questions. Vous pouvez les poser d'ailleurs dès maintenant par mail. Par mail, c'est bfmtv@bfmtv.fr ou encore sur les réseaux sociaux. Hashtag question BFMTV. Tout est écrit.
Lisez plutôt que m'écoutez. Voilà, normalement vous avez bien tout noté. C'est à suivre donc demain. La météo a retardé cet événement de quelques heures. Hein. C'était tout de même un départ qui a eu lieu en début d'après-midi de ces 33 skippers du Vendée Globe partis depuis les Sables d'Olonne, un tour du monde en solitaire pour cette course maritime réputée. Bon vent, hein, a dit le directeur de la course à ces 33 skippers, dont 6 femmes. On prend la direction de la Vendée où Armel Lecléache nous parle de cette course mythique. Le départ de la 9e édition du Vendée Globe a donc eu lieu ce dimanche. Il aura fallu être patient, Armel Lecléache, puisqu'il a été décalé de près d'une heure et demie, ce départ. Mais finalement, on n'a pas été déçus. On a vu un très beau spectacle. Oui, un très beau spectacle. La brume s'est dissipée et derrière un grand soleil, du vent, comme on l'annonçait, voilà, des bateaux qui étaient très vite lancés à pleine vitesse. C'était vraiment très sympa de voir ce spectacle. Pour tous les gens qui étaient sur l'eau, on avait ce privilège. Et puis surtout à la télé, j'imagine, ça devait être aussi un très beau spectacle. Et puis, il y a déjà des enseignements dans cette course, puisque deux garçons sont partis très vite, Louis Burton et Nicolas Troussel. Mais le premier a volé le départ. Résultat, il sera pénalisé. Oui, on a eu un moment de doute sur le départ de Louis Burton. On savait qu'il était très très proche de la ligne. On attendait un petit peu les informations du comité de course. Et effectivement, il a grillé le départ. Donc il aura une pénalité de 5 heures à effectuer avant l'équateur. Donc ce sera la direction de course qui lui imposera un moment de revenir sur sa position GPS et puis de valider cette pénalité. Prochain grand rendez-vous pour les skippers, c'est peut-être cette soirée de mardi avec des premières difficultés, une météo pas très clémente. Non, on annonce des vents de 30-35 nœuds avec des rafales à 40, peut-être des creux de 5-6 mètres. Donc ce sera vraiment le premier grand test pour tous ces bateaux, tous ces marins. D'ici là, ils vont profiter de cette première nuit en mer avec des conditions relativement clémentes. Mais demain, ça va commencer à se compliquer. Ils sont partis 33 en mer désormais pour cette 9e édition du Vendée Globe. Dans un instant sur BFM TV, on continue de suivre la situation aux États-Unis. Joe Biden, lui, déjà au travail. Il vient de présenter ses priorités avec sa vice-présidente Kamala Harris. Ça sera notamment la santé, mais aussi la sécurité. Donald Trump, lui, ne reconnaît toujours pas sa défaite. Il parle de fraude dans des tweets qu'il vient de publier au réveil. Le président sortant, qui vient d'ailleurs de quitter la Maison-Blanche pour aller jouer au golf en Virginie. À tout de suite. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Professionnels ou particuliers, nous partageons la même envie de construire depuis près de 40 ans. Dans les bons ou les mauvais moments, nous avançons main dans la main pour bâtir l'avenir ensemble. Big Mat, dans tout projet, l'humain aussi, ça compte. À la Matmut, quand on est bon conducteur, ils vont au-delà du bonus 50. Ils vont jusqu'à 65%. Et en plus, Matmut s'engage à ne pas augmenter ses tarifs auto jusqu'à fin 2021. J'adore. Matmut, ma valeur sûre. Il y a certaines choses qui comptent, comme avoir une salle de bain confortable quand on se rend compte qu'elle devient son nouveau bureau, ou encore des fenêtres qui tiennent compte du voisinage. Se sentir bien chez soi, ça compte beaucoup. Et pour rendre ça possible, vous pouvez compter sur nous. La paix, la qualité, réservée à tous. Oh, oh. Voyons ce qu'on peut construire aujourd'hui. En avant. Waouh. Bien joué. Propulsez votre ville dans le ciel de Forge of Empires. Disponible gratuitement sur l'App Store et sur foe.tv. La nouvelle agriculture. Mon père, il est tellement fort. Qu'il travaille très très dur pour mieux vous nourrir tous les jours. Papa, 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 y'a pas plus fort que toi. Bravo, c'est très bon, je suis si fière de toi. Depuis plus de 10 ans, et aujourd'hui plus encore, nous travaillons dur pour améliorer la qualité de votre alimentation. Avec votre soutien, nous continuerons encore longtemps. La nouvelle agriculture, la marque des agriculteurs.
moment de pur bonheur. Infiniment fondant. Lindor, par les maîtres chocolatiers Lindt. Choisissez l'instant et fondez de bonheur. Événement sur RMC Sport 1. Demain, Mohamed Bouafsi à la rencontre du plus élégant des footballeurs. Formé à Barcelone, étincelant à Paris, joueur inoubliable et entraîneur en devenir, Thiago Motta comme jamais. Demain à 21h sur RMC Sport 1. Abonnez-vous sur rmcsport.tv. Antoine, vos radiateurs connectés Atlantique, ils sont fantastiques. Et il n'y a pas que Charlotte, il y a aussi les chaudières Atlantique, la climatisation Atlantique, les pompes à chaleur Atlantique, la ventilation Atlantique, les chauffe-eau Atlantique. Là, là, là aussi, encore là, 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 et puis là. Ce n'est pas une impression, vous avez bien vu cette voiture partout. C'est normal, Renault Zoé est leader de l'électrique en France et en Europe. Renault continue d'assurer votre mobilité. Et pour bénéficier du bonus écologique 2020 de 7 000 €, rendez-vous sur Renault.fr. h 46 sur BFM TV, santé, sécurité, collectivité. Le président élu des États-Unis ainsi que sa vice-présidente Kamala Harris sont déjà au travail. Et pendant ce temps, Donald Trump, lui, repart comme hier jouer au golf en Virginie. Le président sortant qui ne reconnaît toujours pas sa défaite, qui continue de tweeter en alertant sur une fraude électorale. Difficile pour Joe Biden dans ce contexte, mais sa mission, il l'a dit, ce sera bien de réconcilier les Américains. Stéphanie Zenati. Décrit par sa colistière comme un guérisseur et un unificateur, à peine arrivé sur scène, Joe Biden ne la fait pas mentir. I pledge to be a president who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. Une volonté de rassembler, d'apaiser aussi et de convaincre, jusque dans les rangs des Trumpistes les plus acharnés. Pour tous ceux de vous qui ont voté pour le président Trump, je comprends le déçoivement aujourd'hui. J'ai perdu un couple de fois moi-même. Mais maintenant, donnons à l'autre une chance. C'est temps de mettre de côté la rhétorique harsh, lower la température. See each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies, they are Americans. Un message qui résonne dans tout le pays, jusqu'ici à Atlanta, où il est déjà relayé par ses électeurs. Ce que je veux dire aux personnes qui ont voté Donald Trump, je leur dis, montez dans le train de Biden. Et nous allons changer ce pays. Nous voulons que vous soyez une part de nous. Nous ne voulons pas être divisés. Nous voulons avoir des États-Unis d'Amérique. C'était exactement ce que je souhaitais. Je voulais qu'il parle à toutes les personnes d'Amérique, sans exclure personne. Le président Biden sera le président de tout le monde. Un président qui compte tout de même marquer sa différence avec son adversaire et détricoter les mesures prises par Donald Trump depuis 4 ans, certaines en tout cas. Retour dans les accords de Paris, abolition du programme de séparation des familles à la frontière mexicaine. Mais dans l'immédiat, une priorité, relever le défi du Covid. Dès lundi, Joe Biden mettra en place une cellule de crise sur le virus avec des scientifiques et des experts. Elle entrera en action le 20 janvier prochain, jour de son investiture. Et cette image, pour vous montrer là où se trouve actuellement Joe Biden, il est dans cette église de Wilmington dans le Delaware, là où il se trouve depuis le jour de l'élection. Joe Biden, donc le président élu qui est allé et se trouve actuellement à la messe à Wilmington. Il a déjà présenté ses priorités quand il sera à la Maison-Blanche. Ça sera principalement la santé avec la gestion du Covid-19 qui nous préoccupe, nous aussi en France, qui préoccupe l'exécutif. D'où cette chronique, prenez soin de vous. Parce qu'en matière de bien-être et de santé, il est important d'être bien conseillé. Retrouvez votre chronique
avec France Literie, expert de vos nuits. À la une ce dimanche, une question cruciale, est-on immunisé après une première infection par le SARS-CoV-2 ? Question essentielle en ce qu'elle détermine notamment la possibilité d'être réinfecté ou non par ce virus. Et puis surtout par rapport au vaccin, ce vaccin on vient l'avoir un jour, mais est-ce que l'immunité qu'il va provoquer est durable ? Eh bien on voulait partager avec vous une étude qui est à la fois intéressante mais surtout optimiste, elle vient d'être publiée dans la revue Science. Une équipe de chercheurs a voulu savoir combien de temps on gardait des anticorps efficaces et pour cela ils ont suivi plus de 30 000 patients avec à chaque fois des formes de Covid plutôt légères ou modérées, donc pas des patients qui étaient en réanimation. Ils ont donc dosé les anticorps dits IgG, c'est-à-dire les anticorps qui vont aller neutraliser la protéine S, vous savez, ces petites pics qu'on voit sur le virus et qui permettent justement à ce virus d'entrer dans la cellule. Eh bien, les dosages sont tout à fait rassurants puisque 90% d'anticorps sont présents à moins d'un mois après le début des symptômes. Mais après, ça fait quoi ? Et les anticorps et puis les dosages qu'on était assez élevé et dans un deuxième temps, ils ont analysé plus de 120 échantillons à des échelles de temps différentes. D'abord à 52, à 82 jours, puis à 148 jours après le début des symptômes et ils ont constaté qu'il y avait encore des anticorps, alors en quantité un peu moins importante, mais surtout des anticorps neutralisants à 148 jours, donc ça veut dire protecteur au bout de 5 mois. Et bien sûr, l'étude va se continuer pour savoir justement quelle est la dynamique de ces anticorps, par exemple, sur une année. Alors c'est rassurant parce qu'on retrouve un peu la même réaction anticorps que l'on avait avec les autres coronavirus, avec le MERS et le SARS-CoV-1. Et puis autre élément intéressant, c'est que certaines études avaient montré que, en particulier une étude anglaise, avait montré qu'en fait l'immunité était très courte. Donc là, on est à plus de 3-4 mois déjà. Et puis donc, ça limite un petit peu aussi, vous savez, ce problème de réinfection qui, encore une fois, est extrêmement rare. Et puis ça redonne aussi confiance en la possibilité d'un vaccin efficace dans les mois à venir. Une bonne nouvelle en ce moment, ça fait plutôt du bien. Eh bien, on est preneurs. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous.